Doubidou, stache, tache. Hé hey. Attends, va bien plus fort, frère. Ah putain, frère, vas-y. Ah putain de merde. C'est le mec qui suit quelqu'un, tu sais, en live, juste pour l'entendre souffrir, tu vois, même pas la voir. Juste pour l'entendre souffrir, wesh. Mais bon, bah, une excuse, ok. Tu verrais, franchement, si j'avais une cam, tu verrais ma gueule quand je fais des squats. Pareil, le visage défiguré comme les jeux d'horreur. Déjà, on commence par les formalités avant de me taper les squats, là. Ouais, je sais, faut que je le fasse, frère. Bah du coup, je vais dire bonsoir à Selsaler. Bonsoir, Morad. Bonsoir, Wist. Coucou, ce boy. Wow, wow. Hey. J'aurais préféré celui d'écrit. Bah ouais, mais putain, faut que je fasse plein de... Merde, j'ai pas mis live. Il faut que je fasse des cuts. Ouais, d'accord, ok, merci, c'est ça. Non, mais vraiment, vous êtes pas gentil. Das Grovia. Putain, c'est incroyable. Comment ça pour le retard? Non, il n'y a pas de retard, frère. Je suis dans les temps, frérot. Je suis arrivé avant 22h déjà. Bah, comment ça? Je suis arrivé avant 22. Et alors? Bah, excuse-moi, je faisais un soin à mes cheveux. Il y a quoi? Bon. Qu'est-ce qu'on met comme petite musique de squat, là? Je sais pas quoi mettre comme musique de squat là. Allez, on va mettre ça. J'aime bien. Bah 21, oui, bah je fais mon mieux à faire. Allez, c'est parti. On est prêt? Bonsoir Bilout, ça va ou quoi? Allez, t'arrives en plein moment de squat. Allez. Ouais, ouais. Allez. Ah, du 7-6, du funk et du 2. Je représente le Havre avec moi. Ah, j'ai pas vu. Comme les fruits. Quatre. Tu sais ce qui Max, j'en fais 20, je m'en bats les couilles. 6. Black Lambert, mon style fait peur. 7. Les filles en sont folles, les DJ en raffolent. Tous attendent l'album. 9. Fonce Brown, j'ai la soul pour les sisters. 10. Freeze pour les misters. Et quand je débarque en Normandie, c'est le twister. Alphonse et moi. 12. C'est Brown. Hardcore comme le Nord Underground. Ta cousine, je suis une sex machine. Ramène tes copines, je leur casse le jean. 14. 15. 16. La culture de la métrave. 17. 18. Et va! Eh, de la merde, frère! 40! Allez, on en fait 20 autres! Un jour j'irai à New York ou en Amérique. Devenir une resta comme Rivers Dick. J'aurais plus d'étoiles sur Hollywood Boulevard. Que Joël Robuchon au Michelin ski de Tonka. T'as du style. Ouais, c'est vrai. Mais tu t'épiles. Comment tu le sais? Mes pommes cartonnent. Ma moustache t'assonne. Ma vie me klaxonne. C'est que ma musique est bonne. Normandie, Californie, même combat. Le Havre, le Bronx, je suis chez moi. Je fais des jaloux, je fais des enqueux. Je fais même des mérous à la 12. Sauce bleue. Mon nom c'est Brown, prénom Alphonse. Représentant le cubit, maire d'une France. Et plus 5 que je balance l'hystérie. Ramène pas ta femme, elle me kiffe, je te le dis. 13. La puissance du bon. La culture de la métrage. Alphonse Brown. Allez.
J'aimerais encore une fois samedi 5. J'aimerais mettre la cam, mais je peux pas par rapport au boulot, donc. Hey, je regrette les clopes là. À une époque, elle voulait en faire 50 d'affilée. Non, non, abuse de faire. Putain, elle nous l'a vraiment pas mise à l'envers sur les 40, voilà. Bah ouais. La puissance du port du Havre, son nom c'est Alphonse Brown. Là, je vais c'est bon. Et là, c'est bon, hein, meuf, j'ai pas vu cette horreur. Non, 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 il n'y a pas de qui c'est qui a des points, frère, je te vois venir. Ah, je fais mon sport pour toute la semaine. Non, mais tous les soirs, ils me mettent des squats dans la gueule. Attendez, attendez. Attends, je vais mettre pause parce que Morane, il me dit en MP. Écoutez bien ce qu'il me dit, ce fumier. Hein. Parce que j'ai dit, bah, je faisais un soin, tu vois, à mes cheveux, tu vois. Il me dit, ouais, parce que dépêche-toi, t'attends le déluge pour lancer. Et j'ai dit, bah, je faisais un soin à mes cheveux, genre. Et il me dit, t'attends toujours le dernier moment pour tes soins, alors qu'en vrai, perds pas ton temps dans les soins, t'es déjà bien entamé par la vie. Quel bâtard. Mais c'est quel genre de puterie, quoi. Mais putain, c'était une violence. Putain, heureusement que je suis pas susceptible, la vie, hein. Parce que en vrai, t'as pas forcément tort, tu vois. La vie m'a beaucoup abîmée, tu vois. C'est la raison pour laquelle je mets pas de cam. Non, en vrai, je m'en bats les couilles. Et vas-y, elle me dit pas, elle aussi. Je suis soufflée, wesh. Bah non, c'est pas forcément que ça me fait du bien, Sam. C'est juste un soin pour les cheveux. Je suis obligée, sinon demain, je me réveille avec une crinière de lion, frère. Et je vais péter un câble. Elle est où, ma voiture? Elle est où, ma voiture, les frérots? Bon, j'attends que tout le monde il arrive. En attendant, je cueille des fleurs pour la vieille. Ah oui, c'est vrai, putain, on est en garage. Wesh. Attendez, je vais prendre à boire, j'ai soif. Et vous savez ce que je vais chercher? L'arme du crime. Je vais chercher de l'eau. Arrête d'en acheter déjà. Ouais, je sais. Aïe, aïe, aïe. Non, je vais pas chercher de la bouffe, j'ai bien mangé. Mais j'ai plus de canettes là, j'ai que les bouteilles. Voilà. Digoulos, ça va et toi, Blue N? Bon, j'attends que les gens ils arrivent là. Venez, on fait un peu de LTD, on n'en a pas fait cette semaine, je crois. Et ça te manque pas, samedi 5, le coca? Pourquoi ça va pas, Blue N? Oh, elle m'a envoyé 1000$, incroyable. Wesh! C'est quoi ça? Eh, c'est quoi les frères? Attends, quoi? 7500? Mais ça vient de quoi encore ce truc? Attendez, je remets bien mon plaid. Ah, c'est les actions. Les actions de la friterie. Eh, ça nous rapporte bien en vrai. Hein. La friterie. Ça nous rapporte de ouf. Ouais, je vais les remettre dans la friterie. Et comment t'as fait samedi 5 pour genre déco du coca, genre tout le temps? Parce que moi, le coca, c'est tout ce que je bois, quoi. Non, pas du tout. Maintenant, je bois de l'eau avec du sirop. Quand j'ai vu le truc dégueu, je fais le coca dans le ventre. Moi, je joue à la pétanque.
J'utilise le coca pour les boules que je... Ah ouais. Ouais, t'as vu le boulard qu'elle a. Attends, on va dire coucou à la famille. Vous, ça vous dit qu'on fasse un peu de LTD, là? On est en route pour la friterie avec la livraison. Ok. Mais de ouf, t'as vu ça? Et non, mais t'as vu l'épaisseur du bordel? Attends, regarde. Regarde ça. Regarde le bordel, frère. Attends, je le mets en F7. Regarde. Frère, 2 km elle fait. Coucou, No Riser. Mes mères, elle est seule ce soir? Elle a pris 10 menus au McDo. Eh, le McDo, la Cali, elle a vachement baissé, hein, les gars. Parce que je vous mens pas, ce midi, j'avais la flemme de faire à manger. J'ai pris un McDo, je vous jure, j'étais un peu déçue. Les frites, je sais pas trop. Les frites, elles sont pâteuses. Je sais pas trop comment t'expliquer, tu vois. J'aimerais trop faire une cure de désintox de coca. Comment il va, mon petit No Riser? Il peut là, maman. Oh non, mes Américains steak. Alphonse. Même pas, tu m'as dit, ça va te goûmer, Naï. Bah, en même temps... Eh, vous imaginez ou pas la famille Monroe à Paname, genre? Tu sais, du truc RP, on se fait en RDV, HRP, tu sais. Ce serait drôle. C'est ma fusée, encule ta mère. Coucou, Sune, ça va ou quoi? Voilà, voilà, la friterie. J'attends d'attendre arriver à 100, comme ça, je vais mettre 100 fleurs. Ton nom, c'est A. Bah moi ça va, hein. On a commencé le live à faire 40 squats, je te raconte pas, je viens d'aller à la douche, ça y est, je peux recommencer quoi. Non mais ça aussi, faut qu'on en parle les frères. Allez, il m'en reste 4, comme ça j'en fais 100. Que tu te plains. Ah voilà. Allez, c'est bon. J'en ai fait 100, j'ai des 100. Y a match, tout de suite. Le match avant le RP, non mais allô. Putain, je savais que t'étais un fouteux dans ta vie, toi. Le vieux dort encore, Jackie dort encore. Alphonse Bram. Attends, je vais mettre là. Mais en vrai de vrai, j'aimerais bien faire une cure de désintox au coca, hein, je m'en parle. Je vais chercher la gova. Eh les gars, ça vous dit que genre... Ah d'accord. Ça vous dit que genre, un jour que je fasse un personnage RP, genre une Kyra. Ça serait drôle, non? Une Kyra dans ma vie. Je crois que j'ai jamais joué Kyra, genre... Yo, y'a quoi, yo? Yo! Ça, je suis une Kyra, mais non, je suis pas une Kyra, moi. Non, dans la vie, je suis quelqu'un de simple. Hein. Ouais, ouais. Basique. Simple. Putain, il roule vraiment comme... Oh là 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 là, mais quel pilote! Oh, putain! Putain de merde! Attends, je vais vous proposer ça, là, pour la friterie. Ça va fermer notre voiture. Eh, No Riser, je me posais une question vraiment fondamentale. Pourquoi on se fait chier à mettre un food truck alors qu'il y en a 4 là? T'as capté l'idée? J'ai jamais compris. Regarde, les food trucks, ils sont déjà... Ils sont déjà là, les frères. Vaut mieux mettre au courant Monsieur Naï. Mais Monsieur Naï, il sait que je veux arrêter le coca. Je l'appelle et
La meuf veut dire pff, tu vas jamais tenir. Bah vas-y, eh, la porte, eh, il y a que, eh, non non mais non non non, là, là, là c'est de la flémingite roleplayiste, d'accord. Non mais attends, la porte elle est là, les food trucks ils sont là. Qui a la flemme? Pardon. Pas de coca aujourd'hui. Non non non. Je sais pas, des fois je dis des trucs, je m'en rends pas compte, tu vois. Mais genre regarde. Comme ça, regarde, en plus il y a un ATM juste là pour les gens qui veulent payer en liquide et tout. Et là, vous faites aussi, vous, je sais pas si vous vous souvenez les gars, il y a une meuf qui avait proposé que tous les restos se rejoignent ou... Et ben regarde, tu sais genre, tous les restos ils font des genres de concours ou je sais pas quoi, mais regarde, il y a plein de petits stands là. On pourrait, tu vois, on pourrait ouvrir ce truc. Regarde, attends, j'ai essayé de descendre. J'étais en train de penser à ça la dernière fois. C'est ça. Wesh. On est en train de se mettre dans une sauce ou... Y'a des gens qui courent là, hein. Vous entendez des gens courir? Il est en train de vendre, il est en train de vendre. Attends. Attends, attends, on va le prendre en flag l'enculé. Attends. Attends, comment je peux faire, comment je peux faire, comment... Attends, comment je peux faire pour le prendre en flag. Ah merde. Je crois qu'il m'a vu, non. Il va me courir après, fils de pute. Fais pas venir femme. Mamie. Oh putain. Aide-moi, c'est ta faute. Bang, je fais la bang. T'as pas pris la canne aussi. Ouais, ça va, la canne de bière. Ouais, je veux, ouais. Ça va, mamie? Ouais, je veux. Ouais. Ouais. Putain, faut que je vous dise. Quoi? J'ai vu un monsieur, il parlait avec les gens. Tu sais? Comment il fait? Ouais. Ouais. Il parlait ici dans le coin, elle a fait attention, il dit c'est le pète, je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut, mais elle a l'air fort bien louche lui là. C'est pas lui là-bas là? Ah oui. Qui vient? Par hasard? Ouais, si, c'est celui là-bas là, avec la salopette là. Ah ouais? Ah oui. Eh ben tiens, je fais un petit signe là, hop là, et... Montre-lui, tu es. Ah putain, mais il avait un flingue! Vas-y, bisous. Quoi? Quoi? Il avait un flingue, il vient de le renver. C'est pas vrai. C'est sûr, je l'ai vu. Faites de moi. Tu veux prendre photo? Ouais, mais ouais, je l'ai pas à photo, mais attends, je suis plus beaucoup par os. La tête de WAM, il y a un fling. Attends, je suis plus beaucoup par os. Bon, bah, nous, on va décharger, hein, on va se faire braquer. En attendant, on décharge, oui. Ah oh, ouais. Putain, il me répond pas! Attends, je vais appeler là, il va me faire chier. Et t'es sûr que t'as vu le pistolet, hein? Daniela, ils sont plusieurs, hein, dit Aros. Ah putain, mais ils répondent pas, je suis pas vrai, hein? Ah oui, y'a vraiment... Oui. Oui, oui, y'a vraiment plus rien, oui. Bon, je rangerai bien après, mais tout dans menu et boisson, t'emmerde pas. Je rappelle. Putain, ils me raccrochent, c'est qu'ils sont occupés, frère.
Bon, tant pis. Vas-y. Oh bah putain, prends soin de toi. T'es venu à coup de baie. Oui, je l'ai vu, ouais. Mais viens. Ah, bah ouais, attends. Vas-y, ça nous fait des histoires, frère. Phil, 911, j'écoute. Ouais, bonsoir, je suis madame Monroe. Qu'est-ce que oui, dites-moi, madame Monroe. Ouais, je m'excuse de te déranger, fieu, j'ai appelé le nord, mais je suis en cérémonie, il m'a dit Ross, et Ross m'a dit, faut que t'appelles le sud. Écoute, ouais. On est en train de décharger pour la fatigue, et mon fils, il aurait vu après, quelqu'un écoutez. Qui avait une arme. Bon, allez, ils sont plusieurs, ouais. Hein, c'est drôle. Où ça, Lisa? Bah, la fratrie, en fait, ils avaient des arbres. Moi, j'ai pas bien vu, hein, mais ils sont drôles. On est en train de décharger notre marchandise au niveau de la fratrie, maman Monroe. T'as bien, c'est le point Sandy Shore. Ah ouais, mais à Sandy Shore, en fait, en gros, pour vous expliquer, là, j'ai deux opérations dans le sud, donc j'ai aucune unité, en fait. Ah bah, ouais, bah, tant pis, si je meurs, tu diras à ma famille que je l'aime. C'est bien noté. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Putain, fais chier, frère. Oh, mais quel salaud, Whis. Bah, tu dis penser à clip, ça me rajoutera du boulot. Non, mais c'est une blague, je fais que de les croiser. Bah, t'es pas ouvert le coffre là pour que je prenne des affaires? Ouais. Attends bien. Hop. Bah, putain, je suis pas ouvert. Ouais, hein. C'est là, ça, t'inquiète. Il y a un petit passage là. Qu'est-ce qu'il faut? On parle de poulet? Il faut tout prendre, sauf les fleurs. Bon, après, si, on aurait mamie pour les prendre. Putain, mais je peux rien prendre. C'est un peu lourd. Tu peux prendre l'huile, le Red Bull, le Sprint. Avec la limonade qui reste. Oh. Putain, je suis lourd, hein, pour mon dos, hein. Wow, wow. Oui. Elles étaient pas. Tu vérifierais, elles sont pas marquées dans. Dans quoi, sur dans ce que j'ai envoyé. C'est lourd, hein. Attends, je vais commencer à ranger en attendant. Ouvre rien, je mets ça là-dedans. Ok. Poulet. Ah si, elles sont marquées. Je veux. Oh merde, putain, on les a oubliées. Ouais. 51, il en fallait. Ça me paraît peu. Hop. Deux. Ouais, un. Hop. Putain, c'est lourd, hein. Ah ouais, c'est lourd, hein, la senti, c'est lourd, hein. Pour qu'on devient un peu balèze. Le potote, le chuti et tout ça. Ah ouais, le poulet aussi là, le poulet coupé là. C'est une farmera. Oui, d'accord, j'accepte. Sinon, vous allez bien, les gars? Je sais pas si vous avez demandé en début de live. Oui, c'était pour les Mexicans aussi. Il en manque que 50. Putain, fais chier. 50 squats dans la gueule, hein. À 40. Et c'est deux qui ont le tour de sol, grand-mère. Oh, mais dans le truc des menus, je suis en train de ranger, t'inquiète pas. Ouais, je veux. Je pense que je vais mettre là. Limonade. Poisson. Limonade. Non, ça va aller, merci, Morane. Hop. Bah, moi, ça va. Bah, j'ai un peu le seum, demain, on bosse, hein, donc, bon. Non, va chier. Hop là. Bon, on a bientôt fini. C'est vrai, je...
Il reste pas grand. Ouais, là, il y a un aller-retour et c'est bon. Allez. Là, je peux pas prendre la mayonnaise! Wow, wow! Et si je peux prendre la mayo là? Putain, merde. Et je peux en prendre 10? Encore 10. Ah, je peux plus prendre le maillot, hein! Bah, t'inquiète, après. C'est bon. Ouais, non, mais t'inquiète, voilà. Momo en point de chaîne, je crois mayonnaise. Que tu tues tout le monde. Non, je pense alors, mayonnaise, que. Mayonnaise, tu l'as mis. À sandwich américain. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. Sandwich américain? Maillot. Ok. Bon, maintenant, la facture. Oh putain. Ouais, bah, de toute manière, tant qu'il n'y a pas Jackie, on peut pas. Mais bon, fais-la quand même, comme ça, dès qu'il est là. T'as vu que je jette le chocolat? Bah, s'il vient, bah, t'inquiète, ça la ferait. T'as vu que je jette le chocolat ou pas? Ouais, oui, oui, on va jeter, ouais. Putain, tout ce chocolat. Putain, putain. Hein. Bah, tout a périmé, bah ouais. Et ça, c'est relou un peu, hein. Je te mens pas. Y'a pas de poubelle ici. Acheter là-bas. Bah ouais, c'est ça en fait. Faut pas trop acheter. Regarde tout ça, ça a été jeté, frère. Regarde tout ce qui a été jeté. C'est relou, hein. Merde, j'ai gardé 40 chantilly. Regarde tout ça. En vrai, ils auraient dû mettre la porte là, tu vois. Merde. Wow, wow. Je vais remettre la chantilly. Après, vaut mieux avoir plus que pas assez. Oui, oui et non. Oui et non, parce que regarde, du coup, bah, regarde les pertes, quoi. Donc, bon. Ah, mais t'en rachètes, oui. Oui, d'accord, mais quand le truc, il est ouvert, tu vois. Oh, pardon. Ouais, ça va, t'inquiète. Ça fait le facture à bébé. Bah... Tu veux, tu peux payer? Combien? Bah ça va être 20 000 hein. Non, non, vrai, non. Je suis pas là, j'entends rien. Je suis pas là. Non, non, je paye pas, t'es ouf quoi. Non mais ça va pas ou quoi là? Non mais t'inquiète, je la ferai plus tard, t'inquiète. Ouais, ouais, t'as fait plus tard, par hein, contre, bien plus tard, ma, genre dans 10 main, ans, hein, quoi. Maman, j'ai découvert un truc de fou. Au doc, ils ont la Zanfiane. Mais non. Ils ont la Zanfiane. Et t'as vu le camion? Tu peux en mettre des tonnes. Bon, par contre, faut voir combien ça coûte. Ouais. Parce qu'en vrai, ouais. Ça coûte que dalle. On paye 1 000 $, on en a 1 000. Ouais. Avec 1 000, on fait je sais pas combien de bouteilles. Alors que les cultiver 1 000, c'est trop long. Toi? Enfin bref. Ouais, j'ai vu la voiture là-bas, bizarre. Ouais, je t'écoute, là, fais gaffe, parce que Bichu, ouais. Sous le TV, va putain, donc il me ouais, dit ouais, que... T'inquiète. Ouais, ouais, t'as raison, avec ce qu'il a fait Tantan. Je sais pas encore tout ce qu'il a fait, mais putain. Faut que tu dises un truc aussi, ma main. Parce que... Comment dire... Attends. En fait... Non, vaut mieux pas que ça se dise tout de suite. Quoi, mais vas-y, dis. Mais là, il y a du monde peut-être qui écoute ou quoi. Attends, toi, regardez bien. Ouais. Il faudrait qu'il y ait mamie aussi. Ouais, attends. Ah, viens. Grand-mère. Grand-mère. Oui. Tu vois, il y a quelque chose à nous dire. Ouais, j'ai un truc à vous dire, un des deux là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on prépare quelque chose en attendant, grand-mère? Bah oui, vous pouvez faire des sandwichs américains si vous voulez.
Vous voulez vraiment que je vous dise dans la cuisine là comme ça? Ouais. Okay. Toi, qu'est-ce qu'il faut pour des sandwichs américains? Bah, dans ouais. prépa américain, tu as tout à disposition. Tu prends une vingtaine à chaque fois. 20 à chaque fois. Pour faire 20 sandwichs. Ouais, les ressources. Sandwich américain, oui, oui, oui. Ouais, je sais, non mais. Je faisais c'est une blague en fait. Frites. Ouais, ouais. C'est tout quoi, tout ce qu'il y a quoi. Oui, oui, tout. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais. Et ça sera sur ta droite, Daniel. Et ouais, c'est ici. Ouais. Ah non, c'est pas. C'est tout là-bas. Oui. Voilà. De toute manière, personne peut rentrer. Bah. Tu peux crier. Merde. Alors en fait, je vais vous expliquer un petit truc. Il y a des filles une semaine. Bon, mamie, ouais. pas. Il y a une semaine, j'étais avec tonton, tranquillement. Ouais. J'avais notre petit train de route, là, avec le camion. Ouais. Et à un moment donné, je le regarde. Et je vois qu'il est bizarre, tu vois. Il n'est pas d'humeur. Il a honte, il baisse les yeux. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a branlé? Et là, je me dis, ok, c'est bizarre. Et du coup, tranquille, on fait la soirée, ma fin. Et à un moment donné, il se barre. Il te barre et tout. Il va jeter un truc dans la poubelle, mais bien loin de toi. Et je me dis, mais c'est quoi qu'il va jeter? Il avait rien. C'est bizarre, toi. Je comprends pas. Et je vois jeter des feuilles, tu vois. Des feuilles, des trucs, des documents, je dirais. Et moi, ce que je fais, c'est que je me dis, à tout moment, il y a une entourloupe. Je vais dans la poubelle, je fouille. Ouais. Je fouille à la poubelle. Ouais. Et là, je vois un petit carnet avec écrit les commandes et tout. Et il y a un truc qui me paraît bizarre. Il y a un message de Galloway qui dit, en gros, monsieur Kevin, faites en sorte qu'il ne manque rien en termes de dollars. Qu'il ne manque rien. Tu vois, en mode la marchandise ou quoi. Faut qu'il manque rien, sinon tu vas prendre cher, en gros. Et moi, je me dis, attends, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Et moi, il me l'a jamais dit, tu vois. Et donc là, je creuse mon enquête, tranquillement, je fais genre que je fais rien. Puis, quelques jours après, je vois que tonton, il enlève ses lunettes. Et il a un œil au beurre noir. Il me dit, non, là, c'est bizarre, là. Et là, genre, ça se voyait, il s'est pété à la gueule, tu vois. Donc là, je me dis, c'est bizarre. Et en plus, c'était quand on était à la place des cubes. Je m'éloigne un peu avec lui et tout. Et il me dit quoi? Bah, par contre, il voulait pas que je le dise, mais bon. Il me dit qu'en gros... Bah, vu la situation. Bah, ouais, je sais. Bah, il m'a dit, en gros, qu'apparemment, il aurait demandé à des gens venant d'un quartier, tu vois. Parce qu'apparemment, tonton, ben en fait, il est un peu, je sais pas, il est tout blanc, tout rose, toi. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait voir des mecs de quartier. Il a dit, hey, ça vous dirait pas une petite cargaison gratos? Moi, je vous paye. Une cargaison de quoi? Une cargaison du camion de Galloway. Gratos. Enfin, gratos, t'as capté. En gros, il les paye. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, apparemment. Sauf que les mecs de quartier, ils se sont retournés contre lui et lui ont pété à la gueule. Sous les ordres de Galloway. Galloway était là. Il m'a tout dit. Il m'a dit, ouais, ils l'ont emmené dans une salle. Il y avait Galloway, les mecs de quartier là. Ils lui ont pété à la gueule. Et ils lui ont pris son camion. C'est-à-dire que là, son camion là, que moi j'ai, ben, il est plus à lui. Il est plus à lui, il est à Galloway. Il a racketté. Attends, et ça, il me l'a. Attends, du coup, les bafouilles italiens, c'est pas vrai alors, du coup? Alors ça, c'était il y a un moment, hein. Le mafieux italien, c'est pas au courant, moi. Mais attends, mais dans quelle merde il se fout, là? Il se fout dans la merde avec tout le monde. Ah, mais là, c'était le... Enfin, moi, perso, j'étais au courant de ça. Mon Dieu, tu entends ça, Daniela? Putain, mais je suis pauvre, hein. Ah, y a rien qui va, là, des Italiens, des gangsters, Galloway, son propre patron. C'est quoi la prochaine étape, la famille? Bah, du coup, c'est merde parce que Galloway, en fait, il est... Je sais pas, il est bizarre un peu, il a... Il paraît mal.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il l'a gardé en emploi. Ah, la foutre les dettes du bah mec, ouais, je suis les enculés. Allô ? Bah, tu pourrais ou quoi ? Ouais ! Pourquoi ma moto a explosé devant la maison, là, putain ? C'est quoi, ce bordel ? Putain, je suis encore de la faute de mon futur liable, je te meurs, hein ? Il y a le premium moteur. Putain, grand-mère, Attends, j'arrive, Ou alors il est en train de faire caca et ça lui fait mal trop à son cucu, ou alors il est en train de se transformer en Super Saiyan, la moto de Choki, elle a été brûlée. Elle a été brûlée, c'est pas vrai. Ouais, si, viens, je t'en parle, Marcel, viens, Marcel, Poupou, il est en train de faire le guerre, là. Attends, il arrive. Je vous rejoins. Vas-y. En fait, il expliquait que, comment ça, là? Putain, je suis pas vraiment de me brûler la voiture de ton père. Putain, le père, tu vas tout voir. C'est pour ça que t'as pété la vitre. Putain, il fait chier, hein. Ah ouais. J'ai une voiture, la centralisation, elle va pas, parce que c'est de ma mère aussi, hein, cette histoire, là. Bon, accessoirement, faudrait que je repasse mon permis aussi, hein. Ouais, faudrait le passer, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je l'ai pas non plus. Il s'agit d'une urgence. Oh putain. Putain, mais je suis pauvre, oh là là. Putain, il nous fait une papille. Alors que ouais, y'a la voiture de Shana aussi. Ouais. Oh, y'a la voiture de Shana là-bas. Ouais, non, mais moi j'en ai marre, je veux plus police. Là, je commence à avoir mal. Non, mais là, attends, c'était... Moi, je l'ai vu tout à l'heure, la voiture. Ouais, bon, y'a un problème. Hein. Elle est très bien, la voiture. Attends. C'est n'importe quoi. Petit Jésus, donnez-moi le pouvoir de pas tuer tout le monde, petit Jésus. Je sens que je me transforme en Hulk. C'est bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est madame. Ah, Daniela, comment string ça va? Ça va, Miss Amiri, cro-cro-cro. Oui, ça va bien, merci. Dites-moi en quoi je peux vous aider? Bon, écoute, je suis assez emmerdée. Eldor, ils sont en cérémonie. Et écoute, j'ai vu des individus qui étaient très suspects devant ma mairie, d'accord? Mon fils, il a vu des armes. Mais la cérémonie de la police dans le Nord, ils peuvent pas me répondre. Donc, ils m'ont dit d'appeler le Sud. Bon, j'ai appelé le Sud, ils m'ont dit que c'est pas possible. Bref, là, je reviens à ma maison. Et les deux voitures, ils ont été cramés. Ah mince. Non mais c'est pas possible, hein. Il faut que tu m'aides, hein, Miss Amérique Crocro. Oui, alors, on va refaire la chose tout doux. Vous habitez où? À Saint-Dichard. D'accord. Et vous avez déjà remarqué des individus suspects avec des armes devant chez vous? Bah non, mais bah face des individus, tu sais, il y a de la carte qui vient d'ici. Ah bah c'est pour ça. Bubi, il faut qu'on se parle, là. Ben, écoutez, bon, là, actuellement, pour monter à Saint-Duchamp, ça va être un petit peu compliqué, hein, vous doutez bien, parce que, bah, on a beaucoup de travail aussi dans le Sud, mais dès que la cérémonie du SASP Nord est terminée, je leur retransmets l'appel pour qu'ils s'occupent de votre histoire. Ça sera plus simple. Mais tu te racontes, tu vois de la moto de Choki et puis la voiture de Shana, alors qu'elle allait... Prenez bien des photos. Prenez bien des photos. J'ai pris, il y avait de voiture. En fait, pourquoi je t'appelle? Parce que c'est sûr que c'est visé. Parce que, en fait, il y avait des gens qui étaient devant la friterie, ils ont entendu, ils nous ont vus, et puis juste après, et ben la voiture, boum, elle s'est explosée. Et vous savez qui c'est qui pourrait vous vouloir du mal? Ouais, je le sais. Bah, en fait, mon frère, il a été torturé par des mafieux italiens, et il lui a dit, on n'hésitera pas à s'apprendre à nous, la famille Monroe, alors que nous, on est des gentils gens. Mais la dernière fois, il y a eu des tirs de la Kalachnikov. Ah oui, quand même. Devant la bataille. Bon, ben, écoutez, ça quand même assez grave. On va demander à ce que le SASP Nord vous prenne votre déposition pour la crime, pour pouvoir ouvrir une enquête. Ça vous convient? Ouais, bah t'imagines, là ils vont péter la voiture, après ils vont me péter le cul, sans mauvais jeu de mots, hein. Non mais je comprends, ça peut être très stressant, hein. Je transmets tout ça à Ross.
Ouais, d'accord. Ouais, reçu. Comme ça, lui, il va bien s'occuper de vous. D'accord? Ouais, parce que Chucky, il prie pour pas tuer tout le monde. Il vient d'avoir sa moto depuis hier, hein, déjà. Hein. Oui, ben, c'est normal, hein, c'est normal. Ouais, ouais. Bon, bah, bisous, hein, bisous, bisous. Bisous, Daniela, bientôt. On a rien à foutre, putasse. Bon, l'heure est grave, on va aller au poste de police. Ah, hein, faut prendre des photos. On prend des photos. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oui, il faudrait remorquer la voiture de Chana jusque-là. Là, non, mais c'est pas grave. Bien sûr que je sais que ça doit être un PNJ, mais. Ouais. En fait, on peut faire un truc. Non, tu prends le camion, on te pousse, hein. Bien sûr, non, mais. Ouais. On va faire en sorte que tu vois. Ouais. Moi, ça fait quand même une enquête. Bah, attends, il veut faire la facture. Putain, lui, on est en crise, il pense à sa facture. Hein. T'es vraiment un connard hein, dans ta vie, hein. C'est moi qui lui. Marcel! Oh Marcel! Il doit faire le truc. Non mais là c'est pas des. Oui, non mais je comprends ce que tu veux dire. Oh putain, ça va Titi ou quoi? Comment il va le Titi? Les gars, ça tire à Sandy Shore, allô? Ça fait un bail mon Titi là? Oh putain! Putain, je tire! Attends, je vais rappeler la police! Mais il y a une fourrière ici ou pas? Dépose-moi la fourrière, s'il te plaît. Bah ouais, il y a une fourrière. Attends, je vais rappeler. Ah, je vais rappeler. Ah. Putain, il y a le. SASP, bonsoir! Bobby, je suis vraiment désolé de te déranger, mais j'ai entendu des tirs de Kalachnikov, hein! Y'a Rose qui va vous rappeler d'ici peu de temps là. Ouais, bah, je viens de se pendouiller près de la période de Sandy Shore. Cachez-vous hein. Bien, ouais, cachez-vous bien. Ça, bisous, oui. Hein. Bisous, merci. Mais si, ça a attiré. Je vais l'enculer. Ouais, si, ça a attiré, frère. Ouais, on y va. Vite, il faut se cacher, viens. Bah, si, ça a attiré, frère. Ça a attiré. Eh, ça a bien attiré, t'as entendu, ça a attiré. Ok. Ouais, non. Ça a tiré des bulles. Ouais, alors. Mais non, okay. Ça a tiré. Même Jackie le dit, putain. Ça frère. Fait combien? Jackie le dit. Ouais, du coup, ça fait 11 150. Ok, vas-y. Ping. Hop. Jackie, s'il te plaît, tu peux me dire que ça a tiré? Hein? On a bien entendu que ça a tiré? Ouais, mais c'est pas, il s'entraîne pas à tirer au commissariat là? Ouais, j'en sais voilà. Rien. Bah, merci. Bah, moi, j'ai entendu, frère. Hop, c'est bon. Vous voulez faire quoi là? Je sais pas. Il a dit. J'ai pris ta place. Ah, bah non, mais tu veux pas aller à la foyer? Si. Bah, viens dans le coffre. Viens, beau bébé, viens dans le coffre. Vas-y. T'es où, ami? Je sais pas, tu es dans le garage, je crois. Ah, bah attends, tu vas pas sortir un véhicule? Ah, si, elle est là, grand-mère. Bah, mon petit Jackie, je suis désolé pour ta moto, hein. Ouais. Ne garde plus ton camion là. Si mais c'est pas la voiture. Jackie, je t'en supplie parce que je commence à devenir folle. J'ai bien entendu des tirs de Kalachnikov. Ouais, j'ai entendu un automatique. Bah, ta. Tu vois, un truc comme ça quoi. Je te remercie, hein. Bah, ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Non, parce que des fois, on dirait que je suis folle, tu sais. Dans mon moi intérieur, on dit, mais non, t'as rêvé. Ouais, mais c'est des connards, c'est des gros connards dans ton moi intérieur, c'est bon? Les connards! Voilà, ça a tiré, après c'est tout, hein. Ouais, ça a tiré, fermez-la. C'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Sans calmer. Allez, amène-nous un fourrière, s'il te plaît. Mais quoi? Mais je te dis, hé, attention! Putain, oh. Mais c'est où la fourrière? Attends, c'est quoi ça? C'est pas ça de rire, hein? C'est ça la fourrière? Attends, je te le dis. Ouais, c'est la fourrière. Ouais, c'est ça. Et tu sais que. Dans ma vie et dans mon moi intérieur, on dit qu'on est fou, hein? Ouais, mais je les emmerde dans ton toit intérieur! Là, c'est bien dit, Jacqui. J'avais
C'est un beau message, un petit jeune vaut mieux qu'un long discours. Tiens, regarde, tiens le mot intérieur, je vous baise. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Oh merde. Voilà, ouais, ils sont dans le fossé. Oh putain, ça m'a fait perdre le contrôle du véhicule. Ah ouais? Ouais, regarde. Hop, c'est pour ton mot intérieur, ça. Attends, tu vois bien là? Non, je le vois pas. Attends, tu me vois là? Ouais. Ouais, regarde. Tu me vois bien là? Ouais, histoire de. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais si je te regarde en haut, j'ai du mal à conduire. Ouais, tu peux pas faire des trucs en même temps? Ouais, faut dire que ton doigt est assez gros, hein. Ouais, mes doigts c'est des bites. J'aurais pas dit ça comme ça, quoi. C'est quand même assez dur à. Mais putain! Après la conduite sur route, à l'avant la conduite sur buisson, putain! Complètement conne celle-là! Non mais en fait, il faut que je t'explique. Quand je me concentre tout de suite, je plisse les yeux puis je regarde de très près. Bah, j'ai un peu de mal à conduire, hein, un peu... Quoi, tu plisses, t'es asiatique? Non, je rappelle déjà un elfaire. Aïe! Aïe! Attends, je vais voir. Eh, une porte, c'est combien de gueule, hein, ça se ferme, hein? Aucun véhicule. Oh là, bah tiens. T'as été au garage avant de m'emmener à la foyer? Au garage? Quel garage? Oh putain, c'est pas vrai, tu cherches l'origine? Bah non, je cherche ma... Oh, bah, laisse tomber. Tu cherches quoi? Fais gaffe, toi, il y a une voiture derrière. J'ai rien à branler, moi. Ah ouais? Bah, ouais, c'est vrai. Ma petite chaquille, je suis vraiment désolé, mais ta moto, tu crois qu'on va pouvoir la réparer? Mais t'as vu la gueule de ma moto? Je l'ai acheté il y a deux jours. Pourquoi tu rigoles, putain? C'est vraiment pas de chance. Ça, c'est un message de l'univers qui dit que tu vas te tuer avec ta moto. Ouais, bah, moi, je l'ai quand même payé 17 000 $, donc j'aimerais bien récupérer mon argent, quoi. Ouais, puis en plus, je t'ai payé les customisations, hein. Non, c'est Elios qui a payé. Combien? C'est Elios qui a payé. Non, attends, j'ai attendu, là, combien t'as payé cette connerie, là? 17 000 $. Non, mais attends, putain. Quoi? Aïe! Oh ouais, 17 000 $, ouais. Comment ça, 17 000 $? Mais tu sais aller ou quoi de côté de moto, c'est pas là? Non, j'aime bien, moi. Eh, c'est mon argent, hein! Oh. Et alors, Le loyer, là, enfin, de côté des motos, 17 000 $! Et puis, c'est un moyen de locomotion, quoi! C'est pas comme si j'avais acheté 17 000 $ de cul, tu vois! Je vais à l'unicorne et je regarde les culs! Ouais, bah, de 17 000 $ de cul, quoi! Écoute bien! Ouais. Alors, maintenant, c'est 17 000 $ d'épeuve! Alors, avant de faire des achats comme ça, t'es qu'à réfléchir! Écoute-moi bien, Daniela! Ouais! Moi vivant, cette moto là-bas là que tu vois. Tu la vois là-bas? Ouais. Bah moi vivant, elle sera réparée, d'accord? Et hors de question que j'ai mis 17 000 $ dans mon cul. Parce que là j'ai l'impression d'avoir 17 000 $ dans mon cul. Et ça me fait un peu chier. 17 000 $ dans le cul. Bah un suppôt très cher. Qu'est-ce que je te dise? Je suis même pas passé à la pharmacie. T'as dit quoi? Je te dis, il y a des drôles là-bas. Il y a des drôles. Oui, là-bas. Les drôles. C'est. Fistule derrière, viens dans le fauteuil. Ouais, d'accord. Bon, viens ici. Il faudrait que je te parle. Ouais, dis-moi. Bon, viens. Bon, écoute. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez à foutre. Chocu! Ouais. Pourquoi vous mettez à foutre truc alors qu'il y en a quatre ici? Vas-y, rentre dedans. Ah ouais? Ouais, vas-y. Bah, Olo? Ah, tout va bien? Ah ouais, t'es dedans là? Bah ouais. Ah ouais, t'es sûr? Bah ouais, je suis dedans. Ouais, bah ouais, je te vois pas dedans là. Bah vas-y, va dedans. Ah, vas-y. Ah, moi je te vois dedans. Arrête de te foutre de ma gueule. Bah, je te jure. Non, je suis pas dedans là.
ce qu'elle m'a dit hier soir. Bon, bref. On en met à là-bas parce que de toute façon, c'est comme ça. Et puis voilà. Je t'emmerde. C'est bon, ouais, c'est bon comme réponse. Ah. Ouais. Attends, je vais voir s'il y a des trucs dans le camion qui sont à la limite. Faut que je vois la date des Américains aussi parce que. On en a fait avec grand-mère là. Ouais, je sais, mais comme ils ont utilisé des frites qui étaient un peu limites, je vois. Ouais. Attends, c'est quoi ces food trucks? Je sais pas si on fait encore un pot de friterie ou si on fait LTD. Attends. Oh putain, bien vu, je les ai pas déposés, frère. On ouvre ce soir ou pas là, il faut... Bah ouais, je suis pas. Attends, faudrait que je te dise, j'ai reçu les actions. Est-ce qu'il faut que je les revisse à la friterie ou pas? Ah non, c'est bon. Ah non, mais je travaille pas mieux, le fauteuil. Ben non, mais t'es actionnaire, donc tu reçois de l'argent sur les bénéfices. Ouais. Ben ouais. Putain, c'est incroyable, je faut pas les donner, hein. Non, non, c'est bon, attends, tu les gardes. Attends, tu veux que je prête des bedus pour le LTD? Bah, tu peux les vendre là-bas, ouais, si tu veux. Ah, ça va. Putain. Ouais, ça va. Ouais. Putain. Bah, je vais bosser un petit peu LTD, moi. Ouais. Pourquoi? Tu veux que je bosse? Je vais aller à la mairie, moi. Pourquoi? Je vais leur demander un bowling. Bah ouais, c'est vrai, bah vas-y, va demander le bowling. Ah, je cul. Eh, hey, je fais comment ce véhicule? J'ai pété un câble, sérieux. Attends, où est-ce qu'elle est la mienne de voiture, par contre? Putain, mais c'est pas vrai, hein! C'est encore un coup des Italiens, ça! Non, mais ça, c'est encore un coup des Italiens, je commence à t'avoir. Bah, où est-ce que ma voiture? Et où casse non, les couilles, ces Italiens? Non, mais c'est pas vrai! Attends, où est-ce qu'elle est ma voiture? Non, mais frère! Oh là 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 là. Attends. Putain, j'en ai marre de la vie, hein, je te préviens. J'ai vu une italienne là-bas, j'ai mis une droite. Ouais, je crise italien. Putain, c'est pas vrai, ma voiture. Oh là là, ma voiture. C'est où qu'il faut t'amener à la mairie? Mais je sais rien, moi. Sinon, amène-moi un véhicule, quoi. Si on a un truc dans le garage, je sais rien, quoi. Ah ouais, je crois qu'il y aurait l'origine. Mais pourquoi la vieille, elle veut pas me passer les clés de... Ah, les clés de son truc, là. Aïe. Quel truc? Est-ce que tu crois qu'il faut acheter encore une voiture ou pas? Bah ouais, hein, il en faut encore une, hein. Parce que j'ai 7000$, là. Mais toi aussi, d'ailleurs. Non, moi, j'ai pas beaucoup d'argent dans la vie. Allez, t'as combien sur ton compte? J'ai 2000$. Oh la menteuse, pourquoi tu mens comme ça? Je mens pas, mais hein. Tu viens de recevoir 7000$, espèce de menteuse. C'est les Italiens à bon prix. On accuse les Italiens. Ah, t'es pas à la mairie? Bah super la bagnole, je vais aller au garage surtout. Bah attends, je vais te tarder si tu veux. Mais non, mais c'est pas ça, mais putain, mais les... franchement, ils pourraient pas remettre la voiture en état quand ils la mettent dans le garage, sérieux? Ouais, si c'est vrai, t'as... Ça, il va falloir leur dire aux gosses de mettre des véhicules et les remettre bien quoi dans le truc, hein. J'ai jamais été doué pour ce genre de choses, hein. Oh
Allô. Attends, y'a Rose qui m'appelle, c'est important. Oh, allô. Ouais, Daniela. Ouais, je veux pas, hein, Rosa, je te le dis, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que... Attends, j'essaie de traquer, je crie. Je crois que j'ai pas bien tracté, je crie. Attends. J'ai une catastrophe. Non, mais... attends, attends, je te rappelle, Rose, j'ai des petits problèmes. Ouais, y'a pas de soucis, Daniela. Ouais, c'est un piège. Ouais, c'est un piège. Lève. Mais broyez ma... Ok, c'est bon. Non, ça va, c'est une vlog. C'est marrant, non? Ouais, c'est carrément drôle, ouais. Ouais, c'est marrant, non? Tu te souviens-tu? Je t'ai jamais vu ici. Bah pourtant, je passe de temps en temps. Ah ouais, vous faites quoi? Vous vendez de la drogue? Exactement. Tu peux voir. Je vais appeler les Sirenios. Ouais, ah, ça, on va appeler les schputs. Je vais appeler les schputs. Je préviens, je vais prévenir les schputs. Non, je voulais, madame. Ouais, ouais, je vais le dire aux schputs. Non, c'était une blague. C'était une blague. Moi, la seule chose que je vends, c'est des kits. Des kits? Ah, t'es Becca Dichia? Des kits 4. Des Kinder Bueno. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Ah, et des Twix aussi. T'es vendre aux potes, le Elmorgen. Non, ça pas encore, ça. C'est compliqué à importer, vous savez. Je sais pas, je me parie comme ça. Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu vends des kits 4 du coup? Mais attends, hey, il nous fait concurrence, hein. Il va quoi, vous? Bah, nous, c'est la fataille mono. C'est la friterie. Ah, quoi. Vous êtes ouvert là tout de suite? Bah. Je sais pas, tu veux quoi? Je voulais des menus. Tu veux combien de menus? Le 10. Putain, je vais regarder mon coffre, hein. Justement, je viens de faire les offres là. Ah ouais, j'ai 10 menus si tu veux. Ah, oh, je suis carrément chaud, ouais. Ouais, t'es chaud. Ouais, carrément. Moi, je veux des menus, yo. Attends, je suis combien des menus? Je suis combien? 50. Bah, ça dépend, t'as quoi comme truc? Bah, j'ai un américain. Américain, c'est 150$ avec la boisson. Avec le menu, ah, 150 fois 10, ça fait combien, mon gamin? Ou est-ce que vous prenez la carte bancaire? Bah ouais, on prend le carte. Ok, bah c'est bon, je prends moi. 1500$, hein? Allez, c'est très bien, ça me va. Je te fais une petite facture. Tu vas voir, l'américain, il va te mettre bien en plus. Il va te caler de fou. Ah ouais? Ah bah c'est du 150$, je trouve ça super cher, yo. Ouais, mais c'est parce attends, que les prix ont augmenté. Attends, 150 fois 10, c'est 1000. Ah ouais, ouais, ah, c'est vrai, c'est ok, ça. Ok. Les prix des matières premières, j'espère, tu vois, là. J'espère que tu nous couilles pas, yo, hein. Bah non, je te jure. Tu vas voir la carte. Ah, c'est bon, je te crois. Ah, j'ai bien voir la carte, moi. Ah, ma femme va te gêner, là. 150$ le menu. Yo, c'est... Ouais, mais on va baisser un peu, là. On va voir avec le fournisseur. Il abuse. Avec l'essence, c'est abusé. Avec des bonnes fights, t'en trouveras jamais nulle part ailleurs. Tu vas voir, ça va bien caler ton coco. C'est dans le... j'ai vu un jour des gens, ils cuisaient des trucs dans du gras de quelque... C'est ça ou pas? Ouais, ouais, les frites, c'est gras de bœuf, ouais. C'est ça. Putain, c'est bien ça. Ouais, c'est du gras de bœuf, tu vas voir. C'est good, en plus, ça te cale bien. Et on fait de la suce-boule aussi. Oh. C'est quoi, ouais, c'est de la colle? Ouais, c'est un tiers de Suze et trois quarts de Red Bull, ça fait de la Suze. Bien sûr que si, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et toi, t'es avec allez, bien, j'aime bien. C'est combien, 150$? Ouais. Ouais. J'ai combien en cash, là, sur moi? Après, on peut perdre la carte bleue, bah, là, si tu veux. Mais mettez-moi 10. Ouais, allez. Bah voilà, t'es bien de... J'avais que 20 menus sur moi, hein, c'est... Tu vas voir, ça colle le coco, hein. Eh, hey, je peux payer en cash, là. Ah ouais, si tu veux, ouais, attends. Ah, donne de Jockey. Ouais, donne-moi le cash, c'est bon, elle va me faire la facture après, t'inquiète. Ok, c'est bon, yo. Oh, c'est pas grave, on s'en branle. Tiens. Ok, je te fais confiance, hein, je raconte pas. Ouais, t'inquiète, yo. Tiens. Merci beaucoup. Ouais, et régale-toi bien, hein, dis pas bosser, merci. Hein. Bon, merci, mesdames, ouais. Messieurs, ça fait plaisir. Ouais, allez, bisous, ouais. 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 Bon, bisous les gars! Sirenios, vous nous appelez! De ouais. Quoi? Vous appelez, on leur casse la gueule! Ah ouais, d'accord! Le okay. Numéro c'est 66 68. Là c'est trop dur, c'est quoi ton numéro? 66 68 Dash. Bah ouais! Tu vois des Sirenios, tu m'appelles direct! Ouais! D'accord, je te le dis, hein! Ok, merci ouais, beaucoup! Bisous, hein! Vas-y, bisous! Ouais! Ouais. Attends, comment on fait toi... attacher les véhicules là, parce que j'ai plus de problème. Toi, tu vas appeler eux quand tu vas voir des Sirenios. Moi, je vais appeler des Sirenios quand je vais les voir.
Eh, dis-moi, il y avait des frites dans les menus ou pas du tout? Non. Eh merde, j'ai donné des frites gratuites alors. Putain, tu me fais chier. Regarde, c'est américain, il y a les frites dedans, tu le vois, il y a les frites qui sont déjà dedans. Oh, bah je suis pas grave, hein, tu veux pas faire la gueule pour voir qu'un paquet de frites? Bah non, mais bon. Non, en vrai, ça va, parce qu'ils ont payé cher. Ouais, ouais. Bon, faut qu'on baisse le prix un peu. Ouais, comment? Comment on fait? Alors ouais. Attends. Attends, fais-le parce que moi je suis pas doué dans la vie, hein. En même temps, ils ont fait de la merde là. Pourquoi? Attends, comment fait? Attends, je crie. Moi, j'aimerais bien savoir le faire dans la vie, hein. Mais en fait, ils ont inversé. Ils disent... sur la corde, il y a marqué véhicule avant, mais c'est l'inverse. Voilà, ah bah, c'est bien ce que je me disais. Ouais, ils ont fait de la merde. Ils ont marqué des trucs de merde sur les cordes. Non, je suis pas encore ça, je te promets. Mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais putain. Putain, je suis pas vrai, hein. Attends, je vais réessayer encore une fois, je commence à devoir marre. Vas-y, hein. fais l'inverse. Bah du coup, attends, je fais l'inverse, hein. Ouais. Ok. Et hop, allez. Ah, bah voilà. Et voilà. Attention, attache ta culotte, c'est moi qui pilote. Et pourquoi ça avance pas? Oh, Jacques, je t'ai entendu de ma voiture, hein. C'est vraiment dégueu. Oh putain, je suis pas vrai. Putain. Hey. Y'a un portal. Putain, je suis pas vrai. Hey. Putain, aïe. Putain, mais tu sais pas conduire ou quoi? Bonsoir monsieur. Ah, putain. Putain, mais je suis pas vrai jockey, hein. Putain monsieur, je suis vraiment désolé de notre arrivée catastrophique, hein. Mon garage. Ça va, tout va bien, j'ai pas du tout eu mal. Ouais, je suis vraiment désolé, hein. Je veux mon jockey. J'ai tant d'espoir dans ce garage, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai essayé, moi, Daniela Monroe, de tracter monsieur Jackie Monroe et voilà, quoi, tu sais, moi, je conduis pas très bien, j'ai pas mon permis. Ah, mais c'est vous de la friterie? Ouais, je sais plus. Ouais, c'est nous, exactement. Ouais, ça se voit. Ouais, bah, il faudrait du pourquoi coup... Pourquoi? J'ai des taches? T'as des taches de gras plateau. Bon, je vais... Attends, t'as pas des taches de gras, il est déjà dans toi, le gras. Ouais, je vais m'occuper de vos voitures. Est-ce que vous pouvez les mettre, par contre, sur les élévateurs, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Oui, merci. On va les soulever. Les jolies bagnoles en tout cas. Ouais, c'est vrai, bah. Fais gaffe, hein, parce que ma conduite est approximative, hein. Oui, j'ai vu ça. Putain, on devait faire qu'une seule réparation, que c'est toi, je devais réparer ma petite voiture. Mais pourquoi? À cause de moi? C'est à cause du trou du cul de nos gosses qu'il a mis à fumer dans le garage, surtout. Ouais, c'est vrai. Ouais, faut leur dire de les réparer, bah ouais. Bah ça peut pas être Steven, hein. Bah pourtant, c'est lui que je l'ai vu avec toute la soirée hier soir, mais bon. Ah, bah t'as qu'à le voir, apparemment t'es son petit papa chéri. Bah justement, c'est à toi de l'engueuler, pas à moi. Code celle-là. Tu rigoles ou quoi? Bah c'est ton... Apparemment t'es son préféré, oh là là, mais y'a pas de... de ménage, toujours des y a scènes de ménage, mais... Y'a pas d'arrêt, je peux pas de toi, hein, je te signale. Je commence à te déformer avec tes gamins, de toute façon je te le dis, hein. Ah ouais? Ouais, j'étais en le bol, je te le dis. Ouais, d'accord. Parce que y'a Steven, il est jaloux de Nolan, du coup il dit ouais, il s'en prend à moi, tout le temps, je commence à te déformer, y'a de la jalousie entre nos gamins. Et puis Lily, là, hein? Vise back, elle est enceinte, la grognosse. Ah ouais? Ouais, bah ouais, tu peux ma pas. Ma fille, c'est pas une grognasse. Non, je suis une grognasse, je suis désolée, hein. Voilà, que je sais sa maman qu'elle a eu un accident. Et là, bizarrement, j'ai vu qu'elle a grossi. Et rappelle-toi, Jockey, la dernière fois que j'avais grossi, qu'est-ce que ça avait donné? Et d'ailleurs, elle est où, Beverly? Elle se repose. Elle se repose beaucoup, elle. Ouais, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. Elle est pas enceinte, elle aussi? Bah, je suis étonnant parce qu'elles disent qu'elle aime bien les founettes.
Bah ouais, elle est peut-être enceinte. Elle est peut-être enceinte lesbienne, je sais pas, ça existe ou pas? Je sais pas. Bon, mais... peut-être, peut-être si les enceintes lesbiennes, elles ont des queues des... Oh, vous payez séparément. Vous payez séparément. Hein? Vous payez séparément. Non, c'est choqué, il va prendre tous les factures chez l'homme de la maison. Non, non, c'est elle, elle est riche, attends, elle a 7000 dollars, elle vient d'avoir 7000 dollars. Non, non, mais plus son salaire, là, c'est bon, fais-lui la factures. Regarde, bon, je vous mets déjà vous la facture de voilà, dis-lui. Putain, vieux rodave. Oh, putain. Je vais te tromper. Oh, bah, wow, c'est déjà fait. Non, c'est pas vrai, monsieur, faut pas l'écouter. T'as mis ta bouche sur une autre bouche, ça se trouve avant il avait léché une chatte ou une bite. Je n'ai rien à branler, j'ai eu 2000 dollars. Ouais, bah super, t'as sucé une bite pour 2000 dollars, super. Non, non, c'est pas vrai, arrête, t'as choqué, hein. Un peu tapé la honte comme ça, là, ouais. Bah c'est toi qui te tapes la honte toute seule, tu vas galocher des mecs qui aléatoires. C'est toi, ferme ta gueule, hein. Putain, je m'en veux pas. Ça va très bien, vous, messieurs. Je vais me bousser le TD, tu m'as fait chier, je cul. Ouais, bouffe-moi le cul. Non, sortez de mon garage, je vous en supplie. Allez, dégage, grenasse. Même le mécano, il t'a dit, dégage. Va me tromper, va me tromper. Alors, on va aller un petit peu où elle était là. Eh, j'aimerais trop cette maison pour la famille Monroe, là. Elle est prise ou quoi? Ça serait trop kiffant, ce bille. Théma, Théma. Elle est prise. Allô? Allô, comment ça va? Bah ça va pas, j'ai de ma gueule avec Jackie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait chier, hein, il me fait chier parce que j'ai embrassé un autre homme pour 2000 dollars, il me ressort tout de suite la même chose, je commence à devoir marre, hein, ça fait au moins il y a 2 mois, là. Tu as fait ça? Bah ouais, mais c'est tout là, il y a longtemps, puis j'étais pour ouvrir la friperie, on avait besoin d'argent, hein, mes mères, hein. Oui, mais quand même. De jeter mes mères. Mais il fallait pas faire ça quand même. Bah, je le sais, pour mais la famille. Bah, je sais pas, je me suis sacrifiée, hein. Oh, bah oui, mais bon. Ouais, je suis ductée de ma petite mémé. Qu'est-ce que tu dis? Bah, où est-ce que t'es? Oh! Alors, je suis avec Marcello, concessionnaire. Je lui ai offert une petite moto car il nous a beaucoup aidé avec la friterie. Ouais, c'est vrai, ouais, je viens de faire un... je viens de prendre un gros caillou, ouais. Tu es où? Ah, mais putain, c'est pas vrai, hein. Mais il n'arrête pas de conduire comme je viens de sortir du garage. C'est qui conduit? C'est Jackie. Non, c'est moi qui conduis, j'ai laissé ton fils au garage. Je l'ai abandonné comme un leu. Voilà. Attends, parce que depuis tout à l'heure, je les vois courir dans tous les sens. Ouais. Attends 2 secondes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que je regarde sur le... Attends, Daniela, ne quitte pas. Alors... C'est où le garage? Non, mais putain, mais oui, mais je suis en appel. Vas-y, attends, pas... c'est pas grave. Ah, tu me rappelles. Attends, je te rappelle, je te rappelle, je Daniela. Je vais bosser au TD, hein. Ok, ça marche, on va arriver alors. Ouais. À tout de suite. Frère, je viens de réparer la voiture. T'es mal à la gueule. Putain, j'en ai marre. Ouais, faut pas oublier que Daniela n'a pas son permis. Hein. Elle l'a eu, elle l'a plus. Là, j'ai trop envie de manger du sucré. Non, mais le problème, c'est moi. Et voilà, c'est tout. Je sais pas conduire, je sais pas conduire. Heureusement que dans la vraie vie, c'est pas ça, hein, les frères. Je mens pas. Ah, d'accord, ils ont changé. Mmh.
Mais si, elle est... Elle a pas son permis. Faut que je joue le truc de... Elle a pas son permis. Les excuses que j'essaye de trouver, c'est... Oui, ça doit être ça, ouais. Attends. Je vais t'aider. Rentrez ma bonne heure, Daniel, à votre écoute. Oui, bonsoir madame, est-ce que vous êtes disponible à la friterie? Bah elle est fatiguée, je sais pas, je peux appeler parce que là je suis en train de conduire là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faudra? Ben il nous faudrait des menus parce qu'on n'a pas à boire et il n'y a rien d'ouvert donc Ah ouais, bah t'es sur la route? On est au poste de Sandy Shore. Ah ouais, bah écoute, j'appelle grand-mère et puis d'ici 10 minutes, je pense qu'il y a quelqu'un qui sera peut-être le peu toi. Ok, super, merci beaucoup. Ouais, bisous, ouais. À plus tard. Putain, fais chier. Moi, faire deux trucs en même temps, je peux pas. Mono. Les flics veulent manger qui est dispo pour la friterie. Bon, t'inquiète, je fais un clip si tu veux. En fait, si tu fais point d'exclamation clip, je crois qu'il y a des clips qui peuvent se faire. Ah non, mais je réponds quand même, tu vois. Ça marche pas le point d'exclamation clip? Non mais mes mères et trucs ils sont occupés je crois. Regarde, tu vois, t'as personne qui répond. T'as personne qui répond. Retrie bon endroit, bonsoir, c'est Daniela qui t'écoute. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, j'avais une question à vous poser madame. Ouais. J'aurais voulu savoir si vous serviez du personnel à la friterie. Bah non, je crois pas, mais t'as pas demandé un jockey, hein. Vas-y, fais la friterie, je crois qu'il y est. Oui, d'accord. Ça va? Oui, bah super, bah merci ouais, beaucoup. Ouais, bonsoir, hein. Bah oui. Ah, ça fait chier, là. Allez, bon courage. Attends, hop. On verra où est la voiture avant. Fermez la porte. Déjà, on va s'équiper. Attends. Tenue LTD. Ok. On va mettre la casquette du LTD. Ok. Bah là, ça va, je suis pas trop occupée, genre. Prise de service. Attends, je veux juste regarder les stocks, si elle a refait des stocks, du coup. Putain! Y'a pas les stocks, là, frère! Oh. Y'a pas les stocks, hein. Y'a des clopes, des tags... En fait, elle a pas refait les stocks, là. Bah, ça va, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux avec quoi avec ça? Ouais, 210, 30 pots, y a même pas de lumière. Pokémon, y a plus rien. Elle a pas pris la tude. Y a plus d'appareil photo. Attends, je vais faire une photo encore. Voilà. Ah merde. Attends, elle a tourné la tête à ce moment-là. Ah si, là, mets-toi bien, frère.
J'adore. Bah ouais, il y a 3000 de chaque, ouais. Attends. John y est là. T'attends. Pour du shopping. Pour que tu achètes au LTD de Little Séoul. Voilà. Bim. Annonce de service. Utiliser. Daniela a ouvert une boutique. Attends, merde. Oh merde. Viens à côté des affaires. Ouais, je sais, mais après ça fait tu sais, ça fait prédéfini. Enfin, j'aime pas, moi j'aime bien c'est quand c'est personnalisé, tu vois. J'aime bien quand c'est perso. J'aime bien faire ça aussi. Voilà, Daniela, elle fait ça. Non, en même temps, j'allais chercher des trucs, j'arrive. I come back, les gars. Non, mais c'est pas vrai, j'entends directement, je lève mon cul. Elle te dit, Little Soul, bonsoir, je suis Daniela, votre écoute. Mais c'est de bagarre, lui. Retiens-toi, pour une fois, mais putain, j'ai le droit, non? Eh. J'arrive. Je suis en train de manger des trucs qui piquent là. Au coup coca. Trop fan du coca moi. Faut que j'arrête. On va dire. Ah, ça pique quoi. Accro au coca. Ah, ça pique. Ah. Eh, fais gaffe, le gros reste, tu le tapis chez Meunier. Pardon, excusez-moi. Ouais, tu veux quoi? C'est pour savoir, est-ce que vous avez des porte-clés, madame? Ouais, j'ai une DA. Ah, attends, j'ai dû passer. Passer de côté, là. De ce côté-là, ok, pas de soucis. Oui, alors passer parce que tu brades tes chaussures, hein. Oh, bah pourtant, je fais attention, je vais marcher, hein. je suis désolé. Bah, je te dis que t'as du bras tes chaussures. Five. Tu veux quoi? Tu veux un porte-clé? Ouais, s'il vous plaît, un porte-clé, oui. Et c'est 500$ le porte-clé. Bah, non, c'est cher le porte-clé. Bah, ouais, sure, regarde, je te montre si tu veux, hein. Oh, mais allez-y, je vous crois, vous inquiétez pas. Hein. C'est 300$, c'est. Ah non, c'est porte-clé, je suis trop petit, excusez-moi. Bah, t'as veux un porte-clé du coup? Oui, s'il vous plaît. J'ai tout ce qu'il faudra? Ouais, pour l'instant, oui. Bah, t'es payé comment? Par carte ou par liquide? Par carte. Bah, t'as, je t'ai fait la facture. Ça va, les affaires tournent? Ça tourne bien?
Ouais, bah, j'ai pas reçu mon salaire, donc ça veut dire que j'ai pas atteint les 8 dollars de bénéfice, donc bah, je suis moitié quoi. Ah merde! Ouais, puis. Bon, c'est qui, vous avez parti votre salaire, c'est quoi? C'est qui la possible patron? Bah, je suis le patron, si t'as pas fait ton chiffre d'affaires, eh ben tu vas te faire enculer à pas avoir ton salaire. Ah, je savais pas. Bah, ouais, ouais. Tu sais pas, okay. T'as payé la facture, je sais bien. J'ai payé, j'ai arrivé. Yeah. Eh ben écoutez, ben, c'est parti, madame, je vous remercie. Ouais, bonne soirée, hein, au revoir. Bonne soirée, je refais tout. Hein. Passe pas où je suis mouillé, hein. Oui, faites attention, votre machine à baigner, elle coule, il y a de la graisse par terre. Putain, mais je suis pas vrai, hein. Allez, bon courage, hein. Ouais. Putain. Attends, quoi? C'est quoi, lui? Le polo est quoi? Le polo, il est pris en... Ta gueule! Et là, je lui dis... J'ai ta gueule que... Je vais prendre... En otage. Ça va, grand-mère? Coucou! Ouais, j'ai sorti ta vieillerie à arriver. Bah, c'est bon, hein, je crois que je vais divorcer, hein, je te le dis. Mais non, faut pas dire ça. Quand je l'ai eu au téléphone, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, je crois qu'il m'a dit que tu allais le tromper, mais c'est pas le cas. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Bah, pourquoi tu as dit ça, espèce d'idiote? Et il me fait chier, hein, ton fils, et là, il règle pas les problèmes avec les gamins. Quand on a ma mère, c'est toujours Daniela qui gère tout, hein. Pas vrai, hein? Arrête de pleurer, tu as des soucis plus graves que ça dans ton frère. Alors là, je vais te demander d'être forte, d'accord? Ouais, c'est vrai. Attends, je vais appeler Roche, je vais lui demander s'il peut passer au LTD pour expliquer toute ta affaire. Tu crois que c'est le meilleur endroit au LTD? Ah ouais, y a personne. Ouais. Ce serait peut-être plus sympa qu'on le ramène à la maison, hein. Ouais, si j'avais. T'es obligé de cambrer comme une salope. Ouais. T'as vu comment tu te cambres? Ouais, c'est vrai, regarde ma cambrure. Tu n'as pas honte. Tiens-toi bien. Bon, d'accord, grand-mère, chevaux, hein. Oui. Ouais, bah... Il faut qu'on soit soudés, Daniela, d'accord? Ouais, mais t'es pas, on parle quand même de René, mon frère, hein? Ton frère qui va nous mettre dans une merde pas possible, et une merde que même la police ne pourrait peut-être pas régler. Ouais, c'est vrai, ça. Eh oui, il te rend pas compte. La famille avant tout, donc si c'est la famille avant tout, c'est que tu dois renier ton frère. Est-ce que ton frère, pendant une seconde, il a pensé à toi, tu crois, avec tout ce qu'il a fait? Ouais, t'as non. Raison. Ouais, t'as raison, mais t'as quand même, t'as vu ce que Marcel a dit? Oui, c'est de pire en pire, c'est que même son patron qui lui a tout donné, il l'a trahi, donc je te dis, imagine pas nous. Aussi bien, il a déjà fait des choses contre nous dont on n'est pas au courant. Tu penses? Ben, il a l'air d'être prêt à tout pour avoir une sorte de reconnaissance ou de gloire, je ne sais pas. Peut-être que quand il était petit, il n'a pas eu l'attention de ses parents, alors il le fait payer à sa famille, je ne sais pas. Ouais, ben, j'ai été élevé par les mêmes parents, hein, je suis idiot, là, puis je suis pas complimé, hein. Bon, il aurait dû partir avec Johnny à Hollywood, hein, c'est bon. Ouais, et pas nous mettre en danger, hein, c'est bon.
Comment tu veux qu'on fasse? Bah, je sais pas. On doit se reposer, tu sais, hein, quand on est acteur, on est souvent fatigué. Hein. Voilà, c'est quoi ça? Je sais pas. Ah merde, je suis chaud. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Est-ce que vous voulez des porte-clés, s'il vous plaît? Bah ouais, je vais voir. T'en faut combien? Bah, il m'en faudrait un, s'il vous plaît. Il t'en faudrait un? C'est ouais. De... Vous... Ce qu'il te faudra? Vous avez des paquets de cigarettes? Non, je vais des cigarettes à l'unité. Combien vous voulez voir deux? 30 dollars l'unité. 100 dollars l'unité. 30, et toi tu joues. Débouchez-vous les oreilles, oui. Putain. J'ai compris 100 dollars, excusez-moi. Ah non, je vais. Ouais, c'est 30. Là, il n'y a pas les clopes, hein. Vous avez vos lunettes pour lire? Oh, j'ai pas de lunettes, madame. J'ai une bonne vue. Ah oui, bon, ça va alors, ça va. Vous pouvez passer, madame. Il te faudra un porte-clés, c'est ça? Ouais, s'il vous plaît. Cette musique là. En Turquie. Et te faut pas des clopes? Non, ça ira, c'est bon. T'as pas d'argent? Non, si, j'ai de l'argent, mais je voulais pas. Et t'es pas un vrai fumeur alors si tu prends pas de cigarette? Oh madame, c'est pour fumer des joints. C'est de fumer des clopes. Les pures sera plus simple. Yeah. Elle a pas froid, la demoiselle derrière. Oh, non, ça va, merci. Bonne soirée, la grosse. Ouais. Bonne soirée. Qu'est-ce qui me dit la grosse, Eve? Tu vas venir, tu? Oh, c'est oui, vrai. C'est vrai qu'elle a raison, ça. Elle est super bien foutue, ok? Connard. Bon, bon, elle a vraiment un problème de fesses, mais bon, ça, c'est parce qu'elle fait pas prendre... ses pattes. Ah. Je viens prendre des cigarettes, Daniela. Ah bah elle fume alors. Hey, attends, toi, tu s'appelles la copine à ma copine? Hey. Eh oui, la dernière fois tu lui as fait prendre des cigarettes, espèce de... Parce qu'elle est enceinte, elle est enceinte. Je suis vrai. Mais vous ne l'êtes pas. Putain. Non, je suis pas enceinte moi. Ah ouais. Il faudrait combien de cigarettes? 10. Vous êtes bien, Jocelyne. Non plus, je suis pas enceinte. Ah, c'est bien dommage. Moi non plus. Ah bah, bon, tu perds parce que bon, gros, vide. Bah, c'est tout naturel. Oui, Mais ouais. Ça va et vous? Ça va super. Vous nous manquez dans le nord là. Oui, là c'est compliqué. Non, tout ça se passe à la mairie. Bon. Bah, justement, venez dans le nord, vous serez tranquille. Oui, c'est pas faux. Vous savez quoi? On a vu des gens bizarres devant la maison. Alors, ah bon? Ah oui, on a même eu nos voitures qui ont été cramées. Hein. Mais c'est tranquille, oui. Non, t'inquiète. Oui, bah après, la mairie, c'est autre chose. Mais en tout cas, devant chez nous, c'est un bordel pas possible. Hein. Je vais vous remonter ça à la référence. Non, là, c'est pas possible qu'ils vous laissent ça devant, là. Oui, on a le chenapan devant la friterie. Il y a beaucoup de monde en ce moment, c'est bizarre. Oh là là. Beaucoup merci. De va-et-vient. Beaucoup de va-et-vient, d'accord. Bon, bah je... Ok, je vais faire monter ça. Mais écoutez, passez une belle soirée, mesdames et messieurs. Mais oui, bonne soirée. Au revoir, on se voit tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Ah, mais ils habitent tous comme des... Hein. Non, mais grand-mère, faut que je te dise quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a demandé quelque chose. Attends, je t'explique. Parce que... Allô? Bah, écoute, elle m'a demandé je sais plus combien de cigarettes, d'accord? Et puis, oui. Et puis, c'est 30 dollars d'unité. Et puis, j'en ai pris 10. D'accord? Et puis, du coup... Attends. Et du coup, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'allais lui faire 300 dollars les 10 cigarettes. Mais j'ai 30 dollars d'unité. Ça va pas. Mais du coup, je lui ai fait 600 dollars, mais j'ai donné que 10 clopes. 60 dollars la cigarette, ça fait cher. Ah ouais, c'est cher. Oh, ah. C'est la mairie, ils sont blindés. Ouais, y'a un chat. Attends, faut que je réponde pour la fratrie. Fratrie, ma main de rebossoir, bonsoir. Je suis là, votre écoute. Oui, moi, vous êtes toujours au main en place. On est devant là, il y a personne, j'ai un gros camion. Bah, du ski jockey. Y'a pas de jockey. Bah, je sais pas. Hein? Putain, il est parti me tromper le salopard. Attends, je l'opère, là. Vous avez déménagé?
Bah non, t'as pas de ménager, normalement il y a Jocky. Mais je suis sûr, il est parti me tromper. Attends, je vais aller plus pour lui dire qui me. Bah je pense qu'il est parti vous tromper, oui, je pense oui. Je sais pas. Il y a personne ouais. Là. Non, bah non, j'attends demain. Ils disent, ouais, je travaille, durement. Bah là, je vous assure, je vois pas madame Daniela. T'en vise pas, attends, vise pas, je suis le plus seul père. Oh putain, tout le monde a du mal là à parler là. Oui, ouais. Oui, c'est tout le monde, oui. Ah, on est d'accord. Ouais, tout le monde a du mal, ouais. Ouais, ouais, attends, il faut faire un petit truc avant. Ah. Non, bah moi, ça devrait aller mieux, non? Je vous secouer un petit peu la tête. Oui. Ah, tu sais, ça part vite. Ah, ouais. De quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Bonsoir. Il va boire. Ouais, y'a quoi comme bouteille ici hein? Bah ici, d'hop, par contre, attends. Ah bah non, je n'étais pas non plus. Bah, je suis désolé, ici, y'a rien comme bouteille. Mais putain c'est... Fais chier ouais, tu veux une livraison pour ce soir? Bah, putain. J'en ai marre d'avoir que de la Suze ou de la Isnu, vous avez pas autre chose là? Bah... des milkshakes. $40 unité. Allô. Vas-y, je t'en prends 100. Vous les avez. Attends, excuse-moi, Lily. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vas-tu pas faire le bras dans mon bagage là? Fais gaffe à toi! Fais gaffe à toi! Fais gaffe à toi! Je te jure, fais gaffe à toi! Tu vas te faire un coup de taser! Mais ça va pas ou quoi? Putain, je vois plus la police! Appelle pas les flics! Appelle pas les flics là! Non, mais attends, ça va pas là! T'as rien fait là-dedans, mais. Daniela, appelle pas les flics! Eh, t'es votre colmé, t'es dans mon fils! Bouge! Putain, je veux plus police. Alors là, je suis débarré. Excusez-moi. Je peux pas écouter. Casse ta mère. Vizba, je veux plus la police. J'en ai marre de cette TV du bar. Putain, Vizba. On est à place d'équipe, ça marche. Allez, oui. SP, bonsoir. Ouais, Bobby, je suis encore Daniela. Oui, Daniela, ouais. On va s'occuper de vous, hein, vous inquiétez pas. Ouais, t'inquiète pas, mais là, je suis à l'TD de Little Seoul. D'accord, oui. Je suis à mon travail. Et t'as Zizou qui vient me cacher les couilles, il agresse me criant. Ah, bon, bah écoutez, je vais essayer de voir si on passe, d'accord? Ouais, ça va, allez, bisous, hein. Si. Ouais. Bah, tu veux quoi, ma petite madame? Je vais vous prendre un paquet de cigarettes et un briquet, s'il vous plaît. Alors, je veux pas de paquet, je veux des clopes et $30 de l'unité. Pardon, vous avez dit quoi? Je disais, je ne vends pas de paquet de cigarettes, je vends des clopes à l'unité. Ah, des clopes à l'unité, c'est combien? $30 l'unité. $30 l'unité? Ouais. Je vous en prends 5, s'il vous plaît. 5? D'accord, avec un briquet? Ouais. Ça, je te montre le briquet. Le briquet, il fait combien le briquet? Attends, je n'ai même pas le prix du briquet. Attends, t'es vrai le prix du briquet? Je ne me rappelle plus. Alors là, je le vois pas dessus. Ah bah non plus. Bah attends, je te ferai... le briquet, je te le fais $50, je veux. $50? $50. 50? Ouais. Bah allez, si, je prends. Attends, j'en prends un. Donc là, ça fait $50. Mais non, mais par contre, c'est en train de me saouler, là, c'est galère pour avoir une conversation. T'as vu comment c'est galère? Je comprenais rien à ce qu'il disait, il dit. Bah, tu croyais que j'étais le seul à avoir ce problème, en fait. Ah ouais, donc c'est tellement super. Et Zizou, il s'est barré, pas content, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? Ouais, il arrête pas de gueuler, que je commence à te devoir barrer, hein. Je suis plus la police, hein. Et bah, il va se faire foutre pour ses 1000 chèques. Carrément. Attends, ça fait combien, ça? S'il veut plus de Suze-boule, bah, il aura plus de Suze-boule. Voilà. Hein? Et voilà. Tiens, ça va belle. Super. Eh ben merci, bon courage à vous. Ouais, bisous, ouais. Bonne soirée. De quoi, non? Oh, ça va, on s'en branle, frère. C'était pas 200? Je pense qu'on va ouvrir l'équipe, c'est bon. Ouais, mais c'est compliqué de parler. Là, hein. Là c'est vrai, on va voir. Ouais. On va viser là. Et ça va mieux quand vous secouez la tête? Ça marche pas de soucis. Ouais.
ouais, je vais faire ça. Bon. Ben, plus tard à la famille. Oui, bonne nuit, Marcel. Ouais, bisous, bébé. Ouais. Bonne nuit. Bisous. Famille. Ouais, bonsoir, c'est ça va, ça va, merci. Dites-moi, on nous a appelé par une intercation avec M. Zizou. Ouais, Zizou. Ouais. Bah, il s'est barré, hein, le fumier. Mais il a agressé mes clients. Il a agressé vos clients. Ouais, ouais, il y avait une petite dame, un petit gentil comme tout. Il a commencé à l'agresser. Il a sorti son tasseur, il a menacé. Mais je commence à devoir mal hein, de lui, hein. Vous êtes porté plainte ou vous voulez où je vais le trouver? Bah, c'est pas moi qui l'ai agressé. Bah, tire-lui les oreilles. Moi, je veux pas porter plainte. Il m'a pas agressé. Ouais, je vais l'appeler, je vais le trouver, je vais lui tirer les oreilles. Ouais, ouais, tiens-y les bretelles, hein, mais je commence à t'avoir la prochaine fois, je mets un coup de balai, hein. D'accord, vous m'appelez s'il y a besoin d'aide, ok? Ouais, je vais, ouais. Allez, bonne soirée. Bisous, hein. Bonne soirée, madame. Ouais. Ouais. Non. Ça va toujours pas, grand-mère? Qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est compliqué de communiquer, là. Ah oui, déjà qu'on se comprend pas mal, en... C'est encore pire, hein? Ah, bah oui. Attends deux secondes. Oh, bah j'attends, hein? Ah, tu vas faire des squats. Grand-mère, je te hais, j'espère que tu m'entends bien. Ah, oui, ça va, oui. J'en ai déjà fait 40, alors fais ta gueule. c'est bien. Une grosse vache. Parce que là, je suis en train de manger des cochonneries. Oh, oh. Comment ça? Des cochonneries au coca, c'est tu trop bon. Tu fais le squat et tu manges des cochonneries après. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Ouais, tu sais que tes cochonneries, il faut les manger avant. Grand-mère, de ta faute, je viens de manger 20 dans la gueule. Oh. Arrête de rigoler, je lui ferai pas, je te le dis. Je commence à te devoir, hein. Allez, une, deux. Non, j'ai rien à foutre. Tu manges quoi, d'ailleurs? Des bonbons coca. Des quoi? Des bonbons coca. Coca-Cola. Mon Dieu, en plus, ça, c'est le pire, quoi. Le truc bien calorique, bien sucré. Ah, j'aime pas, mais je me remue la gueule, hein, grand-mère. J'aime bien, ça se coule les papilles. Tu sais, t'as envie de faire ça. Eh oui, c'est vrai que c'est bon quand même. Moi, ouais, je fais attention, là. Je bois de l'eau à la fraise. Ouais, moi aussi, je bois de l'eau, des fois. Je dis bien des fois. Un jour sur deux, je bois un coca pour le fun. Ouais, moi aussi, un jour. Oui. Tous les jours. C'est le pire, ça. Ouais, mais tu fais, tu essayes de faire attention ou tu t'en fous? Bah, on va dire que je n'ai rien à foutre, hein. Ah bon, bah si tu t'en fous alors. Ouais, j'ai un peu rien à foutre, tu sais. Bah voilà, je touche ma tête, tu veux, mais pour l'instant, je veux, hein, je suis pas... Je suis en forme, quoi, tu vois, je suis pas... Bah tant que t'es bien dans ta peau, toi, que tu sens bien, tu t'en fous. Bah, je suis gros, quoi, mais ça va, quoi. Non, ça va, hein. On va dire quelques squats, ça ferait pas de mal, non, c'est ça. Non, fais ta gueule. On va dire que je suis le genre de personne qui mange, mais qui a pas grand-chose, tu vois. Qui mange et qui quoi, j'ai pas entendu. Bah, qui prend pas trop plein de kilos, quoi. Oh, bah alors t'as de la chance, hein. Ouais. Moi, on m'appelle Popiette dans le milieu, hein, putain. T'as une grosse popiette? Non, je suis pas une grosse popiette, mais je fais que de bouffer des cochonneries, alors du coup, c'est popiette time. Et puis, elle vient de gueuler dessus pour du colo, hein. Ah, oui, mais du coup, moi, j'en bois un soir sur deux, je fais attention, parce que moi, contrairement à toi, si je commence à bouffer tout ça, mais laisse tomber. Non, mais moi, je suis très occasionnelle, hein, grand-mère. Menteuse. J'en suis sûre que tu mens. Non, t'écoute bien. Toi aussi, t'es une popiette comme moi. Tu manges tout le temps des bêtises. Ouais, mais occasionnel, ça dépend en fait de l'interprétation de chacun. Hein. Ah, occasionnel, des légumes et de l'eau, c'est ça? Ouais, pas de légumes, hein, parce que... Ouais. Tu sais que j'ai jamais mangé de légumes de ma vie, je crois. C'est pas vrai.
Ouais, ma mère m'essayait quand j'étais petite, mais ça n'a pas marché. Mais aucun légume. Aucun. Il n'y a rien qui passe. Ah, mais pas de carottes. Je suis bon, les carottes. Ah non, rien. Je vomis instantanément tout. Je rejette. Et les petits pois. Oh, c'est pas un légume, ça. Bah, si, des petits pois, c'est des légumes. Je crois pas. Bah, si. C'est pas des fruits, hein, putain. Mais quoi, elle. C'est pas des féculents. Non. Bon, écoute, moi, je confonds le concombre et la courgette. Alors, c'est pas moi qui. Ouais, mais ça, c'est un légume, ça. Ah oui, les deux, c'est pas. Le concombre, c'est pas un fruit. Bah, tu fais pas une salade de concombre fraise, putain. Ah bon? Comment ça, c'est des féculents? Je sais pas, moi, je mange pas tout ça. Non, mais je sais pas, hein. Mais je suis dans les épinards à la crème, je sais pas. Bah, si, hein. Non, non, non. Bah, c'est pâte. Ah, t'as mangé des pâtes? Pâte. Et des champignons. T'aimes bien les champignons? Non. Bah, putain, c'est pas vrai, des haricots. Non, en plus, ça fait péter, hein. J'en ai déjà avec toi, là, tu pètes tout le temps. Ouais, c'est vrai. Non, mais les haricots, pas les haricots comme les haricots dans le cassoulet. Non, non, cassoulet, ça va pas la tête ou quoi? Ah, merci. Des pâtes. Non, pour information, le petit pois est bien allé à... ouais, elle est à fruits. À fruits. Attends, parce que je comprends pas les effets du sur, du coup. Dis-moi la définition. Le petit pois n'est pas classé dans les féculents qui sont définis comme des aliments riches en amidon. Il s'agit plutôt d'un légume, voire d'un fruit. Oh, c'est le voire, donc c'est bien un légume. Oui, c'est un légume et un fruit. Putain, je comprends rien, bah, mais donc, je sais que c'est des légumes. Légumes plus fruits est égal féculent, voilà. Putain, mais je suis pas vrai. Bon, bref. Et les haricots beurre? Mais putain, c'est pas vrai, hein. C'est quoi, mère, elle te faisait mal à manger, quoi? Bah non, mais la pauvre, elle savait plus quoi faire. Je vomissais tout, alors elle a abandonné. Ma chatte, non. Je sais pas ce que j'ai tout pas bien cuit. Attends, Daniela... T'es en train de dire que ma mère cuisine mal? Ouais, Ross. Ouais, Daniela, désolé, j'étais en course poursuite, alors je peux pas prendre. La course poursuite cordée, ça fait boum, oh. Boum. Hey, mon petit Ross, faudrait que je te vois. Eh ben, je suis à la friterie, là, si tu veux. Ben non, je travaille du LTD, là. T'es au LTD Little Seoul ou... Oui, non, on se déplace, on retourne. Bah, tu veux que je me déplace? Bah non, on va au pire venir, t'inquiète. Ouais, je veux, bah viens, au LTD, je te tends, avec grand-mère. Vas-y, ben, je vais arriver. Ouais. Vas-y, bête. Attends, Ross, il va prendre le problème, tu vois. On va régler le problème. Bah ouais. Non, mais vraiment, aucun légume de ta vie. Ah ouais, non, aucun. Bah écoute, ça va, je suis en bonne santé. Après, j'ai pas une alimentation grasse. Hein. Bah tu bouffes quoi? Bah comme un enfant, steak frites et des pâtes pas trop grasses, quoi. Des lasagnes? Des quoi? Des lasagnes. Non. C'est vrai? Non, j'aime pas. Les couscous? Non plus. Putain. En fait, j'aime bien la semoule nature, quoi. Avec une merguez. Attends, je suis tombée sur un coquille qui pique plus que les autres. En fait, si tu veux, ouais, j'ai une alimentation un peu enfantin, quoi. Tu vois, par exemple, si je vais manger au McDonald's, je prends un Happy Meal. Oui, si je vais manger... Pas te foutre de moi. Je suis au McDonald's, je mange tout le McDo, hein. Ah bon? Oui, non, moi j'ai une toute petite alimentation, mais je grignote un petit peu. Ah putain, je te jure, je t'empêche chez le coco qui me dit arrête de le paquer parce qu'il est en train de m'arracher. Tu m'étonnes, en fait, j'ai compris pourquoi tu rôtes autant, c'est parce que vas-y que ça envoie le coca, hein. Et vas-y, non, allez. Mais c'est le bonbon qui a le goût de coca, mais c'est celui qui a plein de sucre et qui a ta gueule. Ouais. Me dis pas que tu manges le bonbon coca et que tu bois un coca, hein, parce que là, ça va pas le faire. Hein. Bah alors, je te le dirai pas. Ah ouais. Tu fais pas gaffe à tes quenottes, là, parce que putain, avec tout ce sucre. Écoute,
Et je t'avouerai que là, j'arrête parce que je suis en train de sourciller là. T'arrives à dormir, à manger tout ça à cette heure-là, tu crées ah après. Ah ouais, 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 t'inquiète pas, je me couche ah comme ouais. une larve, ah ouais, je me raffole comme ça. Oh. Quand j'étais plus jeune, j'avais une meilleure amie. Elle s'endormait, mais n'importe où, et genre instantanément, même quand on rentrait pas trop tard le soir, on se mettait une petite série, mais c'était impossible, elle tenait même pas générique. Putain, moi, c'est mon rêve de pouvoir dormir aussi vite. Ah bah, tu vois, c'est comme les femmes qui ont des cheveux longs et fins, et les femmes qui ont les cheveux épais, tu vois ? Eh oui, eh oui. Moi, je suis le genre de personne qui peut dormir 15 heures, tu vois, j'ai problématique, wow. hein Je commence à te voir, barre, hein. Dans le milieu, je suis à une grosse parbotte, hein. Mais bon. Mais ouais, hein. Mais je me couche à minuit, je suis fatiguée jusqu'aux heures le lendemain. Ah ouais. Mais moi, j'aimerais bien moi dormir, tu vois, pour profiter un peu plus de la vie. Tu vois, santé. Je suis là, j'ai même pas pu, hein. Tu vois, c'est plus mon corps qui reconnaît le goût du coca et du coup qui se sent obligé de rentrer. Bah bravo, hein, bravo. Hein. Ouais, je le sais, je le sais. On sait où ça va, hein, dans le popotin. Ah ouais, je suis sûre que je suis un peu la même forme que quand ça ressort, hein. Je pue, hein. Mais heureusement, je suis mariée, hein, c'est bon, hein. J'ai pas ah bah oui. Ouais, hein, tu sais, je suis gentille, hein. Après, fais gaffe, hein, parce que... Oui, non, rien. Quoi? Bah, tu sais, la petite dame de Gala Menchos, là, elle traînait beaucoup avec Jackie, quand même. Hein. Écoute, ça, il va falloir que j'approfondisse sa grand-mère. Je suis peut-être ton fils, mais j'ai bien l'impression qu'il... Alors, si je peux dire quelque chose, c'est que j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu des appels et ils se sont vus. Ouais. Puis Nolan, il me disait que c'était bizarre, je sais plus comment elle s'appelle, là. Larissa ? Non. La Rousseau. Tu oublieras tout ce genre, tout ce temps. Il appartenait comme nous, ses reflets. Ah, bah, t'as que bras autour de mon cou. Que le mort que l'on faisait n'importe. Tu oublieras tout le mal que tu as. Ah, bah, me voyant souffrir d'un seul difficile. Attends, j'arrive, je vais me prendre. Tu veux un café ? Ouais, je veux bien un café, ouais. 2 heures par jour. Mais frère, mais moi j'aimerais trop, j'en ai parlé dans le précédent live, j'aimerais trop ne pas avoir de sommeil, genre... Enfin, non, pas ne pas avoir de sommeil, mais genre me dire, bah, 4-5 heures, ça me suffit à être en forme pour tout le temps, tu vois. Frère, il me faut 12 heures. Moi, il me faut 12 heures, frère. Oh putain, c'est ouf, hein. C'est ouf, moi je suis obligée, ouais, facile, 12 heures. 12 heures, et là tu peux te dire que je suis en bonne forme. Bah non, frère. Oui, je sais, une demi-heure. En me regardant souffrir aux instants difficiles, tu ne sais plus quoi dire, qu'il faut simplement partir. Ross, il va venir te voir. Et si je m'appelle ? Tiens. Oh, merci, grand-mère, c'est gentil, hein. Parce que plus, j'avais vraiment soif. Je vais appeler Jocky, apparemment elle est pas le fatay. Eh oui, je crois qu'il est allé faire le tour des... Comment on appelle ça? Des quartiers. Ouah. Putain, plus il me répond même pas au téléphone, le fumier. Vas-y, appelle-le pour voir s'il va te répondre à toi. Le grand-mère. Ah là là là, là là là, là là là. Et t'as pas non plus?
Attends, j'ai pas de... Grand-père ! T'es pas toi ? Daniela ? Ouais, tu vas toi ? Ouais, c'est bon. Ouais, je savais. Oh, viens, on va faire un tchou tour en attendant grand-mère. Puis si je m'appelle, j'en viendrai au LTD. Tu veux qu'on aille où ? Je suis pour faire le tour. T'es venu avec quoi, grand-mère ? Avec ta voiture ? Avec la voiture, oui. Ah, bah non, attends, y'a Ross qui arrive, putain, c'est vrai, ça. Ah oui, bah oui. Ah, Berthe. Bah viens, on installe des canapés devant. Ah ouais, tiens, mais tu peux mettre une télé pour le clip de LTD ? Oui ! LTD Little Soul, bonsoir, chez Daniela, votre écoute ! Si, bonsoir. Je cherche à acheter un portefeuille ouais. Et une porte-clé. Eh ben, je suis au dans mon magasin. Daniela ! Si, d'accord. Où se trouve le LTD ? Eh ben, chez Little Soul, je suis près de... Tu regardes sur Pourquoi tu balances au flic, toi ? Pourquoi tu me balances au putain de flic ? Attends, je te laisse, j'ai un client qui est désagréable, hein. Bisous, hein. Je suis près de le de vétérinaire, bisous. Y arrive. Pourquoi tu me balances au putain de flic ? Ouais, parce que je suis pas au magasin ici, d'accord ? Écoute-moi bien ! T'arrêtes de me balancer au flic, j'ai rien fait de mal. J'ai rien parce que si lui. Je dois faire... J'ai rien de je te le dis, hein. Daniela, ouais. Je suis un danger dans cette ville, d'accord ? Ouais. Je te jure que je suis un putain de danger. Je peux te ruiner la vie en un claquement de doigts. Ah ouais, pourquoi t'es facho ? Hein ? Parce que tu me balances au flic, peut-être ! Hein ? Ouais, bah écoute-moi bien. Tu viens dans mon magasin, t'es là, tu fais ta loi et tout ça, et puis moi, je dois tenir ma boutique, t'as compris ? Donc tu vas mieux te comporter dans mon magasin parce que bi, je te mets un manche à balai dans ta tête, t'as compris ? Et puis j'appellerai la police. Bah, moi, je te mettrai un manche à balai dans le cul. Comment ça ? Vas-y, je me barre. Tu veux quoi? Putain, fils bas, il m'a menacé. Comment ça, il t'a menacé? Attends, fils bas, sa gueule. Fils bas, où est-ce que... Ah bah, regardez-moi dessus, ce grand-père. Ah, puis je suis pour bien. Bah, tu diras à Ross, hein, ouais, qui t'a menacé, ouais. Hein. Ça, je suis pas dire à Ross, tu vas me dire, hein, quand même. Allô ? Ouais, Ross, c'est pour savoir si tu veux venir. Oui, je suis en train d'arriver, là, je suis en train d'arriver. Ouais, ça va, tout de suite, hein. Ouais, bah, j'arrive. Bonsoir. Attends, j'ai des clients, grand-mère. Ouais, ça va ? Ça va très bien. Est-ce que bien, et vous ? Ouais, ça va, viens, madame. Qu'est-ce qu'il te faudrait, ma jolie madame ? Et je voudrais une porte-clé et une portefeuille, s'il vous plaît. Ouais, ça va. Je chasse un dollar l'unité, hein ? Oh. Chère, madame. Ouais, c'est combien le porte-clés ? 500 dollars. Ouais, je vous Mais quoi ? Bah ouais. 500. Si tu veux, je te montre, hein. Puis je m'en pas, hein. Non, mais on vous croit, bien sûr. Comment disent les Américains ? Je suis choc-barre de baiser. Qu'est-ce qu'elle raconte ? J'ai rien compris. Tiens, regarde. Ça, non, c'est... mais on vous croit, vous en faites pas. Ah, mais par contre, ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous vendez alors, je regarde. Vous pourriez me le faire en deux factures. Tu veux quoi Il y en a que du liquide. Ah, tu veux que payer en liquide tout? Bah, si, je viens tout juste d'ouvrir mon compte bancaire. Ah, oh, ça va, bah tiens, bah donne-moi les sous et puis moi je vais le mettre dans mon coffre. Et puis, d'accord, c'est très aimable de votre part. Tenez. Ah, merci, ciao. Et puis tiens. Je vous remercie. Ouais, bonne soirée, hein, Je ne vous oublierai pas. Ouais, cheveux. Ouais, comment vous appelez-vous ? Ah bah, Bibi, je m'appelle Daniela et toi ? Tu t'appelles comment ? D'accord. Moi, c'est Eureka Nevada di Palermo Zelaya Antiveros. Putain, je me suis endormie. Ça nous dit une recette de pizza ou quoi, là ? Bonsoir. Bonsoir. Non, ce n'est pas une recette.
C'est quoi? Ça va et vous? Bonsoir. Oui, ça va. Vous voulez un petit café? Oui, on dira de pizza. Je ne suis pas une pizza. Venez, on va se mettre circle, ouais. Dehors tranquillement. Et c'est parce qu'on parle à rien que... Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Oh, bon petit Ross. Ça, Daniela? Ouais, je veux putain, je suis vraiment contente de te voir. Il n'y avait pas tout compris, Mirmana. Il faudra quelque chose. C'est tout bon, tu as tout ce qu'il te faut? Oui, il y a mon permis de conduire, ma carte d'identité, ma carte grise. Si, il y a tout. Moi, je veux. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Voilà. Ross, il faut qu'on discute, c'est vraiment très important. J'arrive. Au revoir. Ouais, ouais, bah, je t'écoute. Ouais, parce que il y a que toi qui peux. Je ne sais pas où aller pour résoudre la situation. Comment ça? Écoute, voilà. Je fais face à cette difficulté. Je te résume pour faire bref. Tu connais mon frère Kevin? Je l'ai croisé une ou deux fois, ouais. Ross, écoute le staff, écoute le staff. Il y a marqué staff dans votre dos. Bah, je suis normal, je suis un perso staff de l'UFTD, quoi. L'UFTD, putain, il est con, lui, hein. Ah, ok, ok. J'ai cru que tu me disais une dégue d'enculé. Oh, putain, je suis pas vrai, hein, lui. Bon, qui je suis là. Bah, bref. Bah, bref, écoute, Ross, c'est important parce que notre famille, elle est menacée. Oui, oui. Ils nous aiment bien. Comment ça, votre famille est menacée? Oui, écoute, oui, on est menacés. Mon frère, Kevin, il a été torturé par des mafieux italiens, d'accord? On lui a enlevé un œil et on lui a coupé des doigts. Et il m'a dit que s'il s'excusait pas ou je sais pas quoi, bah il pourrait s'en prendre à nous. Il est venu le kidnapper dans notre maison. D'accord? Bon, déjà, nous, on n'est pas en sécurité. Ensuite, on est venu attirer à la Kalachnikov à la fratrie. Quoi? Juste après, oui. Oui, je te jure que c'est vrai. J'ai appelé la police. Après. Il y a les deux voitures, il y a la moto de Jérémy. Hey putain, mais ça veut. Je vais péter un plomb. Tu m'appelles quand, hein, connasse? C'est quand que tu m'appelles pour prendre de mes nouvelles? Mais ça va pas de crier comme toi, ça. Toi, ta gueule! Tu m'appelles pas non plus! C'est quand que tu m'appelles pour prendre des nouvelles, Daniel? Arrête de crier, s'il non, te plaît. S'il te plaît, arrête, je suis en train de discuter avec la police. J'en ai rien à foutre que tu discutes avec la police. C'est quand que tu m'appelles pour prendre tes nouvelles de ton Kevin, hein? Écoute, écoute pas bien. Tu nous as mis en danger, d'accord? Et moi, je prends la décision, je ne veux plus te répondre. C'est terminé. Pardon? Et tu me le dis quand? Je te le dis maintenant, si tu veux. Très bien, bah va te faire enculer, y'a pas de problème. Vous voulez jouer comme ça, y'a pas de soucis. Bah allez bien vous faire enculer. Y'a aucun mais problème. Mais ça va pas la tête. Ça va pas quoi? Et tu voulais avoir de la peine pour ton frère, Daniela. Et donc, à cause de lui, vous êtes dans la merde, ça? Exactement, nous. Non, voilà, tu sais très bien qu'on est une famille du Nord et qu'on n'a rien à se reprocher. On paye nos impôts et avec la friterie, tout ça. Bon, alors, ouais, je t'explique. Le problème, c'est qu'on est venu incendier la voiture, la moto de Jackie et la voiture de Shona. Et en plus de ça, c'est encore tiré près de notre friterie. C'est la voiture que t'as pris en photo tout à l'heure? Ouais, bah je sais pas, non, je peux pas te dire, mais il y a plein de drôles qui traînent dans le coin de la friterie alors que je les ai jamais vus. Et après ils sont arrêtés, ils sont partis, et comme par hasard, quand Jockey s'est réveillé, la voiture était brûlée alors que deux minutes avant j'étais passé, la voiture était pas brûlée. Je te dis, okay. Ross, on est en danger, hein? Eh oui. On est vraiment en danger et tu vois là, mon frère, j'ai décidé, avec le restant de la famille, de le renier. Parce que... Bah, vu son comportement, c'est-à-dire qu'on pense que il serait prêt à mettre sa famille en danger, il en a un petit peu rien à faire, quoi. Bah, c'est ce que je peux voir, hein. Oui, vous avez vu ça, vous avez été témoin, donc c'est un mal pour un bien ce qui vient de se passer, c'est que vous comprenez la situation, c'est que là, il n'en a rien à faire, quoi, alors que nous, on n'a rien demandé dans tout ça. Et les personnes, ils n'ont jamais essayé de rentrer en contact avec vous, ceux qui font ça? Bah non, mais j'en ai ouais, tellement en gros, peur. Il s'attaque à la famille Monroe parce que lui, c'est Kevin Monroe, c'est ça? Lui, c'est Kevin Jones. En fait, il s'appelle Kevin Jones, c'est mon petit frère, d'accord? Ok. Et en fait, moi, tu vois, je vois l'intérêt de la famille, tu vois, Rose. Oui, bah oui, oui. Et il met trop en danger ma famille.
Alors du coup, j'allais lui dire, mais je l'ai pas encore dit encore, parce que justement, j'attendais de voir avec toi, mais bon, les choses se précipitent. Je voulais te voir avec toi, qu'est-ce qu'il était possible de faire, parce que moi, j'ai très très peur pour nous. Ce qui est possible de faire, c'est que on va mettre ta maison, la friterie, sous protection, on va dire. On déploiera des unités quand ils seront sur son nicheur qui tournent vers la friterie et vers ta maison. De manière à ce que si on voit quoi que ce soit, des gens qui cherchent à s'en prendre à votre maison, qui cherchent à s'en prendre à vous, ou à des biens qui vous appartiennent, on puisse être là. Bonsoir. Par contre, ouais, il va me falloir le numéro de Kevin. Ouais, donne-y mémé, je vais servir le client. Oui. Est-ce que je peux mettre un trousseau dans un trousseau? Il me faut un trousseau, s'il te plaît. Ouais, t'en faudrait combien? Et un porte-document, un seul. Mets-en deux, s'il te plaît. Deux trousseaux et un porte-document. Tiens, je te montre les prix avant de t'emballer. Avant quoi, ici? Ça, c'est $500, le trousseau, hein. Ma missuse. Quoi? Oh, ça fait longtemps. Ouais, ça va. Tu vends encore tes suzeries là? Ouais, la suzerie. Et puis en plus, c'est une nouveauté. On va. Non, en fait, portefeuille et trousseau de clé. Portefeuille et trousseau de clé, d'accord, ça te fait $1000. Hein et le sac, je peux mettre des trucs dedans? Bah ouais, le sac, tu peux mettre des trucs. Y'a des sacs. Ah ouais, joueur, kit série. Achète un sac et fais voir comment c'est. J'achète pas, désolé, j'ai pas d'argent. Pas d'argent. Mais comment, liquide ou par carte? Oh, Par carte. Par carte, là. Là, je t'ai fait de facture. Ton gros cul. Ma missus, t'as vraiment un gros cul. Avec tout le respect. Bon, ouais, ça va. Hein, oh, mais j'ai eu cette Non, vraiment. Je te jure. Vous n'êtes pas à l'aise, hein. Genre, vraiment, c'est ahurissant. Il est où ton mari, ma missus? Bah, je te dis, ma mari, je crois qu'il me tente. Il répond plus. Il disait qu'il était à la fratrie. Il n'est pas à la fratrie. Ton mari, il s'appelle Balthazar. Non, je suis choqué. Et Kevin, il est où Kevin? Kevin, il vient de taper une crise là, je te le dis. Bah, moi aussi, achète-moi à manger si t'as de l'argent. Il ne t'a plus à manger. Je voulais voir ce qu'elle vendait, je voulais voir ce qu'elle vendait. J'ai des clés. J'ai pris des clés, mon G. Y'a moyen, je te paye des clés de quoi plus tard. Un trousseau de clés, pardon. LTD, Little Soul. Y'a la moto. T'as quoi à manger, madame? Ouais, j'ai rien à manger ici. Faut que t'ailles à la fratrie dans un t-shirt pour aller manger. Tu vends quoi? Tu vends quoi, Maïdigili? Tu vends quoi? Du coup, ça, la fratrie? Non, ici. Vends quoi, toi, ah. toi bah, vendre quoi, toi? Bah tiens, regarde, je te montre le cadre. Toi vendre quoi? Bah, tu vends quoi? Bah tu vends. Serflex. Mets-moi deux Serflex. Ouais. Mets-moi Bomba Tag, mets-moi en deux. Attends, je te prends ta commande. Alors, Serflex. Oh là, je tire. Bomba Tag, putain, attends, ça part en couille. Ah putain, ma vie rentre! C'est qui tire? Je sais pas, mais putain, je suis dangereux, hein! Bonsoir, Diaz. Bon, alors qu'est-ce qu'il te faut? Alors, du coup, tu m'as dit Serflex, c'est ça? Ouais, non, c'était l'autre, c'est pas moi. Ah, pardon. Yo, le OG, les jiggly bang bang. La street. Et voyou. Ah, ouais, madame. Ouais, bah alors il te faudrait deux Serflex, deux bombes de tag. Bob, les gars. Et un sac. Ton snap directement. Je note. Attends, ça fait combien ça? Ça fait combien, les gars? Voilà. Après... C'est le gang, on a tué. Ça fait combien ça? Ça fait. Boku. Quoi, qu'est-ce que tu as? Putain, il est sympa ton pantalon. Plus deux Serflex. Attends, les Serflex, combien ça? Avec des étoiles rouges, c'est rigolo ça. Ça fait 700. Plus un sac. Sac, il a combien? Ah, mais c'est pas toi, Mamissus. C'est elle derrière. Ah, ouais, je suis elle derrière. Ah, mais c'est toi, Mamissus. Et deux bombes de tag. C'est toi, Mamissus. Daniela, c'est ma belle fille. Ouais, t'as payé comment? Daniela, tu m'encaisses. Ouais, t'as payé comment? Par carte? Tu vends encore les suzeries? Je paye par espèce. Ah putain, bah de nouveau, y'a pas de menu ici. Bah ça fait $1700, hein. Kevin,
Tu me prends un truc au gym 1700, Kevin, parfait, j'ai 1700. Yo, Wilbert, ça va ou quoi, man? T'as dit quoi, mec? Et le bébé, il a galopé aussi, il est où? Il est amour. Ouais, ça va. Il est avec les services sociaux. T'avais du peu. Bah ouais, paye de bon, je te peux avant d'être payé. Tu veux, je te paye en cash. Bah ouais. Tu fais pas de facture. Il y avait une explosion, tout ça, je pense, c'est dommage. Tu vas te demander en espèces ou en machin. Comment ça, c'est dommage? Tiens, tiens, tiens. Mon bébé d'amour. Dans le sens où t'as une autre chose, quoi. Ça va. Ah oui, je t'ai pas trop fait sucer. Ah oui, il m'a mis sucer. Oh là là. Non, pas trop. Qu'est-ce que tu étais en train de dire okay. là hein ah, les gars, il y a les balas qui tournent. Il y a les balas qui tournent. Ouais, ouais, on sait. C'est quoi ça, les balas? Et moi, Daniela. Ouais, tu veux quoi? C'est des est-ce que c'est possible que je te paye, mais tu ça se payera dans la semaine, quoi, t'as capté? Que tu mets dans les mains, ah ouais, t'as fait une facture du ferry? Ouais, t'as capté, c'est ça. J'aimerais bien avoir un trousseau de clés, s'il te plaît. Un trousseau de clés, là, tu fasses gaffe. Ah oui. Je te jure, ah papa. Oui. Je te jure, ah papa. Oui. Je te jure, papa. Fais attention à toi. D'accord, okay, je vais faire attention à la balle. Oui, oui, fuck that shit. J'essaie de faire un ferry. Il est où, fuck that shit? Après, si tu me la fais et que je paye, ça va la refuser, mais je la paierai, tu sais, quand j'aurai ah du bon liquide, quoi. Il est parti. Ah non, je peux pas te faire un différé, par contre, t'as le temps de payer, hein. C'est oui, 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 j'ai une semaine, t'inquiète. C'est 500 dollars. Ah bah ouais, hein. Ah, il fait du rap. J'ai fait mon trousseau, je m'en fous. Ah oui, bah, si tu le crois, tu diras bonjour, papa, d'accord. C'est pas grave, mon petit sucre. Eh oui, vous faites attention à vous et contre les Yukuza, hein, aussi, hein. Aussi. Parce qu'ils ont l'air méchants, hein. Saute-le. Bah oui, merci, mon petit sucre. Vous inquiétez pas. Ouais, bah vas-y, fais attention à toi, hein. Non, tiens. Vas-y, je te laisse, bébé. Oui. Oh, je suis gentil, merci, ma Jigri. Allez, fais un bisou. Ouais. Eh ben non, ouh, t'as raté. Putain. Coucou, monsieur Avapote. Je viens d'avoir une conversation complètement aléatoire avec ce jeune. Pourquoi? Il a fini par bébé, j'ai pas compris. Ah ouais? Ils sont complètement allumés, ceux-là. Ouais, c'est vrai, c'est... Eh oui. C'est les Jiggly. Bon alors, Ross, bah ouais, bah Ross, c'est parti, du coup. Oui, il a pris le numéro de Kevin et du coup, il va voir pour nous mettre de la sécurité, mais putain. Ah, baby! Rentre, rentre, rentre! Putain, c'est pas vrai, attends, faut fermer la porte, baby! Appelle la police! Viens, viens, refuge-toi! Viens, viens! Viens, Tchou! Viens, Tchou! Viens! Tiens, je ferme la porte! J'ai fermé la porte, t'es pas non blessé. Ouais, tu peux m'ouvrir. Non, non, ça va, tu peux m'ouvrir. Ouais, ouais, je vais t'ouvrir, hein. Fais attention à toi, ah, hein. Ouais, c'est quoi ce... Non, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, mais je suis pas... On va pouvoir sortir d'ici ou pas? Bah, je crois pas, hein. Donc, du coup, Ross, il y a pas son numéro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il va voir pour, avec ses supérieurs, là, pour nous mettre une sécurité entre la friterie et la maison. Et je pense qu'il va essayer de contacter Kevin, mais Kevin va rien lui dire. Tu as vu la conversation que tu as eue avec lui. On pouvait même pas en placer une qu'on se faisait insulter. Ouais, c'est vrai, j'ai quand même des bites, hein. Hein, voilà, quoi. Ouais, ouais, bah, va rester dans le LTD, grand-mère, parce que là, oh, c'est oui bas, hein. Ah oui, heureusement, on a du café, des tomates. J'ai des tomates et un ticket de parking. Ça va, vaut mieux être coincé dans LTD que dans le trou du cul du monde, hein. Ah, ça, c'est clair, hein. Ah ouais, hein. Putain, je suis pauvre, hein. Ça avait déjà tiré comme ça, quand tu bosses ici. Bah non, mais est-ce que... Attends, faut aller voir les policiers, quand même, il y a les policiers. Putain, je suis vrai, putain, je suis pauvre, il y a des blessés. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, tiens ma main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes sans faire dessus, s'il vous plaît. Vous pouvez me serrer la main. Voilà, voilà, voilà. Ça va, tu vas bien. Ah, monsieur les policiers, vous faut de l'aide. C'est quoi une balle finalement? On est en train de les aider là. Ça va le faire, ça va le faire, monsieur. C'est bon, vous inquiétez pas, je tiens votre plaie. Vous inquiétez pas, je compresse là. Il vous faut pas d'aide, monsieur le policier. Juste appelez les médecins, s'il vous plaît. Ouais, je vais les appeler. Merci. Allez, bam, j'achète. Allez, bam, j'achète. Merci, Diaz, pour l'abonnement offert aux copains. Merci beaucoup. Mais garde tes sous. Putain, c'est pas vrai. Moi, j'arrive à le faire comme Daniel. C'est pas vrai. Putain, j'ai une catastrophe. Appeler les médecins, ils ont dit.
Scène de bonsoir. Ouais, bonsoir, chez le LTD de Little Seoul, il y a une grosse fusillade et les policiers m'ont demandé de vous appeler. Oui, on arrive. Ouais. Putain, je suis bas ici, hein, grand-mère, je suis bon que ça. Bah oui. Ouais, je suis vrai, tiens, garde tes sous, Diaz, en vrai. Soyons sur nos gardes, on sait jamais quand même. Ouais, mais ça, c'est encore de la faute des Italiens, hein. Tu m'enlèveras jamais ça de la tête. Putain, mais je suis pauvre, hein. Il faut des courses là-bas, des courses de voiture. Grand-mère, faites ça toi. Oui. Faites ça toi, j'ai pas de peur, hein. Je me mets dans le buisson. Ouais, cache-toi dans le buisson. Regarde, je suis bien caché. Ouais, moi aussi, je suis incognito, comme on dirait, hein. Regarde. Alors, regarde comment on est incognito. Et là, franchement, on peut pas te voir, hein. Regarde, on peut lui dire petit con. Ouais, je suis pas moi, hein. Bah, moi non plus, je suis caché. Coda, May Stacy, coucou, trop drôle, ton perso, j'adore. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Et grand-mère. Si t'étais une fleur, ce serait quoi? Une rose noire. Bah, j'aurais plus dit une rose blanche, hein, du coup. Hein. Moi, je me vois comme une tulipe. Tu sais, elle a un gros cul. Une petite tulipe jaune parce que t'es trop cool. Merci, Diaz. Merci. Mais le soutien, je te l'ai déjà dit, c'est pas avec l'argent, c'est la présence pour moi, tu vois. Putain, grand-mère, Jockey m'a toujours pas appelé. Peut-être qu'il est avec la Rousseau, hein. Attends, je vais pas la foutre, tu vas voir s'il va me répondre. Attends. Ah, vas-y, essaye. Attends. Attends, je vais faire une voix suave et chaleureuse. Ah oui, vas-y. Attends. Tu me mets le haut-parleur, hein. Bien sûr, attends, grand-mère. Hey, papa. Oh, affiché. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir. Oui, bonsoir. Si la fruiterie Monroe est ouverte. Ouais, c'est ouvert, tu peux passer. Est-ce que je pourrais goûter la grosse frite? Ouais, tu pourrais me sucer, Daniela. Vas-y, je t'attends. Putain, il fait chier. Tu veux que j'essaye? Vas-y, grand-mère. Ok. Je lui dis quoi? Tu lui dis j'aimerais goûter ta grosse fricadelle. Putain, fais chier, mémé. La friterine. Allô? Oh merde. C'est bon, je peux rappeler. Putain, dans la vie, je suis vraiment trop con. Oh putain. Tu décroches pas, d'accord. Oui, bonsoir. Est-ce que vous serez disponible, s'il vous plaît, à votre friterie? Oui, je suis à la friterie. Super, est-ce que vous vendez des grosses frites, s'il vous plaît? Ouais, des énormes frites. Avec de la sauce cheese. Avec cheesy, quoi? Cheesy. Ouais, avec de la sauce cheesy. Super, cheesy. J'arrive avec une amie, elle s'appelle blanche, Patricia, si elle est blonde. Ouais, pas de problème, ouais. Oui, à plus tard. Ouais, tout de suite. Oh putain, il m'a reconnu, fait chier. Putain, fait chier, on peut pas lui faire des blagues à lui, hein. Putain, qui c'est cool, là. La sauce du chef, hein. Putain, j'ai tout donné pourtant, on me reconnaissait pas, là. Ah non, putain, c'est pas vrai, hein. Bon, il connaît mon numéro, alors. Ah bah ouais, on est con, notre numéro, il s'affiche.
Non, mais c'est le numéro, pas notre nom qui s'affiche. Bah ouais, mais connaît notre numéro, mais on est vraiment con. Putain, mission échouée. Tu m'as fait rire quand t'as décroché quand même. J'allais te faire ma voix à toi quand même. Je t'assure que c'est pas fait exprès. Hein. Je sais bien, je vais répondre en attendant, tu sais, puis après. Je... C'est un peu comme quand t'es au téléphone et que tu cherches ton téléphone. Ouais, voilà. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Ouais, moi aussi, souvent c'est les lunettes aussi. Je dis putain, mais où est-ce que ça, mes elles lunettes sont où? Mais en fait, elles sont. Putain, mais je suis pauvre, hein. Oh, j'en ai marre d'être moi-même. Parfois, c'est très compliqué, hein. Oh, j'ai rien. Moi, on est deux, si ça peut te rassurer, hein. Ah, ça va, c'est pour ça que je t'aime, grand-mère, hein, tu sais. Bah pas... oui. T'étais pas comme tout le monde, hein. Non. Je suis vraiment con, je te promets. Je suis en train de réfléchir, je me dis, mais putain, mais je suis pauvre, hein. Je peux même mettre ça sur la compte de la fatigue, j'ai dormi jusqu'à 17h. 17h. Ouais, j'ai fait une grosse sieste, hein. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis couché à quelle heure? Eh ben, écoute, je me suis réveillée ce matin, il était 10h. Et puis après, j'ai fait mes petites affaires. Après, je me suis dit, oh, il est 14h30, je vais faire une petite sieste. Voilà, oh, jusqu'à 17h. Ah ouais, non, t'abuses, là. Ouais, ouais, je sais, ouais. Normalement, la sieste, c'est une demi-heure, pas plus. Ouais, ouais, une demi-heure toutes les convaincre parce que moi, je peux t'enchaîner au moins 5 heures, hein. Ah merde, putain. Tu sais, j'ai une horloge dans la tête qui me dit d'aller dormir. Oui, c'est vrai, je vais aller dormir. Allez, viens, grand-mère. Oui. On a fait tant de conneries dans la vie. Mais putain, de voiture de brave, je vais ouvrir, là. Oh, je... Ouais. Moi, je vais déposer les tomates à la fourrie. Ouais, ça va, bisous, hein. Bisous. C'est bien, on met une petite musique, là. Allez, vas-y, je vais mettre celle-là. Pour profiter de Google. Oh là là. Ils nous cassent les couilles avec leur pub. Choisissez Chrome. Attends, je suis pas merde, je suis du braque, on dit. Ouais, du braque, exactement. Oh là là. Allez, la petite musique de Daniela pour qu'elle va se coucher. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suive pas. Allez maintenant on y va, ouais. Cette soirée là, avant même qu'elle s'est commencée, on est déjà dans l'ambiance et à peine entré sur la piste, on lâche notre pas avec bien plus de cibles que Travolta. Pas le temps de souffler dans la foule, ouais, avant reconnaissance. C'est la seule chose, ouais, à laquelle, ouais, on pense, ouais. Chacun fout, ouais, son numéro pour en avoir un. Allez les gars, cette soirée là, on drague en branche, toi-même tu sais pourquoi, ouais. On finit ensemble, toi et moi. C'est pour ça, on aime tous ces soirées là, ouais. Ouais. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait même le DJ. Pardon, monsieur. On a mis l'ambiance obligée, nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. Yeah. Faisait l'ego dans la rampe. Oh. Oh. C'est là que sur elle, je suis tombé. Elle est si, j'en suis resté bouche bée. En temps normal, la voiture ne tient pas la route, par contre. Mais tout est permis dans cette soirée-là. Na 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 na. Oh putain. Oh, je m'en fous. Ensemble, toi et moi, c'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Mon jean allait craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon, là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler. Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais, sinon, je vais encore le regretter. Ah, enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée-là. Dans la vibe, lève le doigt. Que tous celles qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que tout le monde va dans la main, suive pas. Allez maintenant tous ensemble. Oh, oh, bah, bah, bah.
bas, bas. En bas. À gauche. À droite. En haut. Da, 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 da. En bas. À la gauche. À gauche. Ouais, ouais, ouais. À droite. C'est ça, là, là. Ouais, 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 ouais. La tête en bas, c'était pas des paroles en l'air. On les entend qui crient, allez, ouais, pas de ouais, manière. Ouais, 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 surtout ouais, pas de capricorne, ouais, ouais, on n'a rien ouais, à faire ouais. Puis on n'est pas venu là dans. Ah ouais, c'est magique, squat. Elle cassait la voix, mais pour allez, je vais faire, les artères. Et c'est ainsi chez nous, et c'est pareil ailleurs. Allez, c'est parti. Ce que ce vilain monde a fait de meilleur. Je trouvais. Tomber la chemise, tomber la.
Tomber la chemise. Dégagez les là. Allez hop, je travaille moi. Qu'est-ce qu'elle est drôle cette musique là, putain incroyable. Ah non, c'est tout Sam. Non, j'en ai fait 60 là, c'est bon. Y'a pas wesh. Tombez la chemise. Bon, oh merde, putain. Oh c'est chiant quand ça fait ça frère. Voilà. Putain, ça va squat en deux jours, frère. Ouais, ça fait mal. Hein. Mais en vrai, moi, j'aimerais bien avoir un boule, tu vois. Parce que moi, j'ai pas de boule, frère. Bon, après, j'ai à plaire à personne, tu me diras, mais... Tu vois, c'est toujours mieux de se dire, ouais, t'as vu, t'as capté, t'as des formes, quoi, tu vois. On va voir qui, les gars. Viens, on va faire un raid chez Lucie. Je sais pas si elle est en... Ah, elle est en live. Vas-y, on va aller voir Lucie. On va aller voir mes mères. Tomber la chemise. Allez, on va aller voir Lucie, mes mères, mes messieurs, là. Eh, les gars, s'il vous plaît, ajoutez-lui des squats dans sa gueule. S'il vous plaît. Dire, allez, 5 squats ou 10 squats, là. Allez. Et des bisous. Et n'hésitez pas, Lucie, n'hésitez pas à lui mettre des squats dans la gueule. Vous ferez un grand plaisir parce qu'elle avait là, elle a l'air de se barrer là. Des gros bisous, bonne nuit, à demain les gars. Dormez bien. Et merci pour l'ambiance, merci beaucoup.